Prions dans le nom de Jésus. Éternel, enlève-moi le voile aujourd'hui. Enlève-moi le voile que la sorcellerie a placé. Seigneur, enlève-moi le voile que le monde des ténèbres a placé. Seigneur, enlève-moi le voile que mes ennemis ont placé. Seigneur, enlève-moi le voile. Les barrières et les voiles. Les barrières et les voiles. Les choses qui m'empêchent de t'entendre, de voir, de savoir, de me concentrer. Seigneur, enlève-moi le voile au nom de Jésus. Lave mes oreilles et enlève-moi le bouchon. Enlève-moi le voile, enlève-moi le bouchon, enlève-moi la saleté, enlève-moi l'impureté dans mes oreilles à cause des choses, des conversations. Seigneur, lave mes pensées et donne-moi la capacité à voir, à pressentir et à discerner. Donne-moi l'onction, donne-moi les yeux d'un prophète. Donne-moi les yeux d'un prophète. Donne-moi les véritables yeux d'un prophète. Seigneur, remplace mes yeux et donne-moi les oreilles d'un prophète. Donne-moi les oreilles pour savoir, pour entendre, pour connaître, pour savoir. Oh oui, Seigneur. Donne-moi les yeux d'un serviteur. Où est ma bouche? Mets la puissance dans ma bouche. Mets l'onction dans ma bouche. Mets l'autorité dans ma bouche. Mets le pouvoir dans ma bouche pour que je te serve. Mets l'onction dans ma bouche. Mets la puissance dans ma bouche. Mets l'onction dans ma bouche. Mets la puissance dans ma bouche. Mets le travail dans ma bouche. Mets les choses dans ma bouche. Mets les paroles dans ma bouche. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Oh Seigneur, remplis ma bouche de ta puissance. Remplis ma bouche de ton onction. Remplis ma bouche de ton onction. Remplis ma bouche de ta puissance. Oh, que le feu sorte de ma bouche. Que l'onction sorte de ma bouche. Que la puissance sorte de ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis ma bouche de ta puissance. Où est ma bouche? Investis ma bouche de ton autorité. Où est mes yeux? Ouvre mes yeux. Oui, Seigneur, donne-moi les yeux pour voir même dans les cœurs. Donne-moi les yeux pour voir même dans l'invisible. Donne-moi les yeux pour même savoir ce qui doit arriver afin d'aider tes enfants. Seigneur, donne-moi les yeux pour voir. Donne-moi les oreilles pour entendre. Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Donne-moi les oreilles d'un pasteur. Donne-moi les oreilles d'un prophète. Donne-nous les oreilles. Oh oui, les mêmes oreilles d'Ézéchiel. Donne-moi les yeux d'un prophète. Oh Seigneur, donne-moi les yeux qui voient. Des yeux qui voient. Des yeux qui voient. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit pour voir l'état normal des gens. Ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, ouvre mes yeux. Enlève-moi les écailles. Enlève-moi les bouchons de l'oreille pour que je puisse entendre, pour que je puisse voir. Oh Seigneur, que personne ne se présente devant moi sans que je ne sache même les pensées de son cœur. Même les pensées de son cœur, son passé et son présent, son futur, pour les guider, pour les guider. Donne-moi la capacité prophétique. Donne-moi l'onction prophétique. Donne-moi le don de vision prophétique. Le don de discernement prophétique. J'ai besoin de don de vision prophétique. Je reçois le don de prophétie. Je reçois le don de vision prophétique. Le don de révélation prophétique. Le don de donner que des paroles prophétiques. Alléluia. Remplis-moi des paroles prophétiques. Remplis ma bouche de paroles prophétiques. Remplis-moi des pensées prophétiques. Remplis-moi désormais des révélations prophétiques. Des révélations prophétique, des révélations prophétiques. Oh Seigneur, remplis-moi de ta puissance prophétique. Seigneur, remplis-moi maintenant de dons prophétiques, de révélations prophétiques. Remplis-moi de ton onction. Utilise-moi comme jamais tu n'as utilisé quelqu'un dans la vie. Remplis mon cœur, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis ma vie au nom de Jésus, des choses, des puissances. Seigneur, donne-moi le don de la langue. Donne-moi le don de la connaissance de la langue. Seigneur, donne-moi la connaissance. Seigneur, donne-moi la vie. Seigneur, donne-moi le pouvoir. 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 Seigneur, exauce-moi au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-moi les yeux pour voir. Enlève-moi les écailles et les barrières. Enlève-moi les écailles et les barrières. Enlève-moi les écailles et les barrières. Enlève-moi le voile. Enlève-moi la distraction. Tout ce que l'ennemi a mis devant moi, tout ce qu'ils ont mis à mes yeux pour que je ne puisse pas voir. Oh oui, Seigneur, enlève-moi les écailles. Enlève-moi le voile. Enlève-moi les distractions. Enlève-moi tout ce qui m'empêche de voir Dieu. Mais il faut prier.
Enlève-moi au nom de Jésus. Enlève-moi le voile, 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 les bouchons de mes oreilles. Enlève les bouchons de mes oreilles. Enlève les bouchons, enlève les choses. Enlève le voile, enlève les bouchons, enlève les distractions. Enlève les bouchons, enlève les distractions. Seigneur, enlève le voile. 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 Enlève-moi le voile. Le voile. Le voile. Le voile. Que le voile dégage. Que le voile dégage. Que le voile dégage. Que le voile dégage. Que le voile. Que les bouchons. Que les distractions. Oh Seigneur, lave mes oreilles. Donne-moi l'onction prophétique. Donne-moi l'onction de discernement. Je réclame l'onction de discernement. Que le feu de Dieu consume les dépôts dans mon corps, les dépôts dans mes oreilles, les dépôts dans mes yeux, les dépôts dans mes pensées, les dépôts sataniques dans mon cœur, dans mon âme, dans mon sang, dans mes pensées. Que les dépôts sataniques soient consumés. Les dépôts sataniques, les conversations négatives, les dépôts sataniques, les conversations négatives, les dépôts maléfiques dans mon corps, dans mon âme, dans mon sang, dans mon esprit, soient consumés. Que le feu consume, que le feu débouche mes oreilles, que le feu nettoie mes oreilles, que le feu purifie, le feu de purification, le feu de purification, le feu de nettoyage, le feu de purification, le feu, le feu, le feu, le feu de purification, de purification, de purification. Le feu de purification, le feu de nettoyage, le feu, le feu, le feu nettoie mon âme, le feu nettoie ma maison, le feu nettoie mon corps, le feu nettoie nos oreilles, au nom de Jésus. Lève-toi et prie, lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie, que le feu maintenant, que le feu de Dieu, le feu de Dieu me protège, le feu me nettoie. Je reçois maintenant dans mes oreilles, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, qu'il y a le feu. Qu'il y a le feu, qu'il y a le feu, qu'il y a le feu, que le feu de Dieu me lave. Le feu de Dieu purifie mes oreilles, mon corps, mon âme, mon esprit. Le feu nettoie ma maison, le feu nettoie ma maison. Le feu, que le feu tombe et détruise les dépôts sataniques dans mes oreilles. Le feu de Dieu tombe sur moi. Seigneur, j'ai besoin d'une grande puissance pour faire ton œuvre, pour sauver des vies, pour sauver des âmes, pour prêcher ta parole. Oui Seigneur, remplis-moi de paroles prophétiques, remplis-moi d'onction prophétique. Oh oui Seigneur, remplis-moi de paroles prophétiques, d'onction prophétique, de paroles prophétiques, d'onction prophétique, de paroles prophétiques, d'onction prophétique. Remplis mon cœur de ton amour, de ta douceur, de ta bonté. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de ta diligence, de ta diligence, de ta diligence. Que le feu consume tout ce qui m'empêche d'avancer, que le feu consume tout ce qui bloque ma vie, que le feu consume l'orgueil, que le feu consume la fierté, que le feu consume les armes que le diable utilise. Le feu de Dieu nettoie mes oreilles. Seigneur, nettoie mes oreilles. Seigneur, nettoie mon sang, nettoie ma vie, nettoie mon âme. Oh Seigneur, que le feu de Dieu consume tout ce que le diable utilise contre moi. Que le feu de Dieu consume les accusations et les dossiers, les transgressions, tout ce que le monde des ténèbres a retenu contre moi. Que le feu consume les paroles que j'ai dites négativement, les paroles négatives. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, détruise, consume et détruise, consume. Que le feu consume, que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton feu consume les décrets sataniques. Que ton feu consume, que ton feu consume tous les décrets dans ma vie. Oh Seigneur, que ton feu consume, que ton feu consume les décrets dans ma vie. Le feu de Dieu consume au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que le feu consume les déclarations sataniques. Que le feu de Dieu consume tout ce qui a été déposé dans ma vie. Le feu consume les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme. Que le feu consume tout ce que l'ennemi a prononcé, tout ce que l'ennemi a annoncé, tout ce que l'ennemi a déclaré, toutes les choses qui ont été déclarées, qui ont été dites, qui ont été faites, qui ont été faites. Je détruis maintenant. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Yahvé, tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que le feu de Dieu consume. Oh oui Seigneur, que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi, le feu, tout ce qui a été déposé dans mon corps, tout ce qui a été introduit dans mon corps, tout ce qui a été planté dans mon corps, que le feu de Dieu consume, détruise, annule, supprime, consume, détruise, annule, supprime. Ô Seigneur, que ton feu consume, que ton feu consume, que ton feu consume,
Que ton feu consume, que ton feu consume, que ton feu consume, que ton feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu de Dieu consume, 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 consume. Le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Le feu de Dieu consume les œuvres du fétichisme. Le feu consume, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, que le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres des maraboutages, les œuvres des charlatanismes. Que le feu consume, que la puissance du feu consume, consume, consume tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps, dans mes oreilles, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon entourage. Que le feu consume, tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ma maison soit consumé. Le feu consume, dans mon corps, toutes les maladies soient consumées, les maladies cachées soient consumées. Que les maladies cachées dans mon corps, dans mon âme, dans mon sang soient consumées. Que le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume tout ce qui bouche mes oreilles, mes yeux, mes oreilles. Le feu consume tout ce que le diable et ses agents ont sémé dans mon âme, sémé dans mon esprit, sémé dans mon corps. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume les dépôts, la nourriture, les manipulations de la sorcellerie. Que le feu de Dieu consume tout ce qui a été déposé dans mon corps, tout ce qui a été déposé dans mes pensées, tout ce qui a été déposé dans mon subconscient. J'invoque le feu pour détruire. Le feu, le feu, le feu pour détruire. Le feu consume tout dépôt satanique. Ô Seigneur, que le feu détruise et consume, détruise et consume, détruise et consume, consume, consume. Que le feu consume les barrières, l'initiation, les manipulations, la sorcellerie, les œuvres à distance. Que le feu de Dieu consume. Consume, 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 consume. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. Tout ce que l'ennemi a dit et fait, que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, 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 consume et détruise les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu consume et détruise les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage. Que le feu consume tout ce qui a été sémé dans ma vie. Au nom de Jésus, le feu maintenant consume tout ce qui a été sémé dans ma vie, dans les ténèbres, tout ce qui a été sémé. Que le feu consume, 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 consume, consume. Tout ce qui a été déposé à moi par le monde des ténèbres, tout ce qui a été programmé, que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Ô Seigneur, le feu de Dieu consume maintenant. Que le feu de Dieu consume toute chose qui a des racines dans ma vie. Oh, le feu de Dieu consume maintenant. Le feu maintenant, le feu, 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 feu. Le feu du roi des rois, le feu puissant, le feu de nettoyage, le feu de restauration. Le feu consume, que 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 le feu consume. Au nom puissant de Jésus. Oh oui Seigneur, je prends autorité, que le feu consume, que le feu consume. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. 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 L'une des choses qui fatigue les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est ce que l'ennemi a semé dans leur vie. J'avais enseigné en disant que si un chrétien veut régler sa vie, ce chrétien-là qui veut régler sa vie, il doit aller dans le passé. Et après, il vient dans le présent. Et quand il vient dans le présent, il attaque le futur. Parce que l'ennemi a travaillé dans le passé. L'ennemi travaille dans le présent. Et l'ennemi maintenant s'attaque au futur. La délivrance que j'étais en train de faire hier ici à la maison, l'esprit a dit depuis là à cause de l'OGK, si tout le monde s'est prié. Pourtant, ils doivent mourir pauvres. Il faut qu'ils meurent pauvres. Mais depuis un certain temps, les gens prient, ça ne s'arrête pas. Et l'OGK ici, et l'OGK ici. Et j'ai demandé à l'esprit, dont vous connaissez Elogic ici, il dit, mais qui ne connaît pas Elogic ici? Et ce que l'ennemi a dit, il dit, en plus avec son livre, né pour combattre le diable. Ce qui a été fait dans la vie de cette dame, c'était dans le passé.
Elle ne savait pas. Elle avait même 15 ans. Tout est sorti hier. Quand je lui ai dit d'écouter la vidéo de la délivrance, elle était abasourdie. Elle m'a dit, tu peux utiliser ça. Je te donne l'autorisation. Si tu ne dis pas au feu de Dieu d'aller consumer ce qui a été déposé dans ta vie dans le passé, même dans ton présent, tu ne comprends pas ta vie. Parce que tous tes malheurs viennent du passé. Il n'y a rien. Tu vas dire au feu de Dieu de consumer tout ce qui a été déposé dans ta vie. Tout ce qui a été semé dans ta vie. Tout ce qui a été dit dans ta vie. Même les erreurs. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Je demande que ton feu détruise tout ce qui a été semé dans ma vie. Tout ce qui a été semé il y a des années. Tout ce qui a été fait il y a des années. Tout ce qui a été dit il y a des années. Tout ce qui a été projeté dans ma vie il y a des années. Que le feu de Dieu détruise. Alléluia. Le feu de Dieu consume, ravage, supprime. Que le feu consume, que le feu détruise, que le feu annule. Je ne sais qui a dit quoi ou qui a fait quoi. Que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu détruise, que le feu de Dieu annule. Tout ce qui a été dit et semé dans ma vie il y a des années. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu tombe et consume, que le feu tombe et consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a programmé, tout ce que l'ennemi a semé. Au nom de Jésus, que le feu tombe, 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 que le feu tombe. Le feu divin, que le feu tombe. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume pour toujours. Oh oui Seigneur, le feu de Dieu consume tout ce que l'ennemi a déclaré dans ma vie, tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Que le feu tombe, le feu tombe. Le feu de Dieu tombe pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Que le feu de Dieu tombe et consume. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit consumé. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe du ciel et consume. Que le feu de Dieu consume tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est semé en moi par la sorcellerie. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Tout ce qui a été semé dans ma vie depuis le monde des ténèbres. Que le feu de Dieu consume. Tout ce qui est enfoui en moi, tout ce qui est déposé en moi, tout ce qui est transféré en moi, depuis le monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie, je détruis. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu consume maintenant les dépôts sataniques, les dépôts occultes, les dépôts maléfiques. Que le feu de Dieu consume. Que le feu tombe du ciel. Que le feu tombe du ciel et consume. Oh, les œuvres de la sorcellerie. Nous bloquons leurs plans. Nous détruisons leurs plans. Que le feu tombe au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Que tout soit consumé, que tout soit ravagé, que tout soit annulé, que tout soit cassé, que tout soit brisé, que le feu de Dieu tombe. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'Éternel tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de l'Éternel tombe. Le feu tombe. Oh, tout ce qui a été semé dans ma vie dans le passé, que le feu de Dieu détruise. Tout ce qui a été semé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Que le feu de Dieu consume au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tous les problèmes qui ont été introduits dans ma vie, dans mon enfance, les problèmes dans ma vie, dans ma jeunesse, que le feu consume les problèmes, les ennuis, les souffrances qui sont entrés dans ma vie depuis le monde des ténèbres. Oh Seigneur, je détruis maintenant
tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et détruise. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et annule. Que le feu tombe et supprime. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et détruise. Que le feu tombe au nom de Jésus. J'invoque le feu, le feu, le feu, le feu de destruction. Que le feu tombe. Oh, le feu du ciel, le feu du jugement, le feu de la restauration. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Que le feu de mon Dieu tombe et consume toutes les semences venant des hommes, venant des femmes, venant des gens, venant des malfaiteurs. Que le feu de Dieu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu tombe et me délivre. Que le feu tombe et me restaure. Que le feu tombe et me rachète. Que le feu tombe et débouche ma vie. Que le feu tombe au et consume la maladie dans mon corps, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit. Que le feu consume, consume, consume les œuvres, tout ce qui a été fait contre moi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Que le feu tombe et détruise. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Oh oui Seigneur, que le feu tombe au nom de Jésus. Tout ce qui a été semé dans ma vie est détruit par le feu. Tout ce qui a été semé dans mon âme, tout ce qui a été semé soit consumé. Tout ce qui ne vient pas de Dieu soit consumé. Au nom puissant de Jésus. Oh oui Seigneur, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. J'invoque le feu de la restauration. Le feu de la délivrance, le feu de la restauration. Que le feu tombe au nom de Jésus. Oui Seigneur, que le feu tombe et consume. Tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ma vie, tout ce qui ne vient pas de mon roi soit consumé. Que le feu de Dieu maintenant, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Oh, je détruis tout ce qui a été fait dans ta vie, tout ce qui a été fait dans ta vie, tout ce qui a été semé dans ta vie, tout ce qui a été programmé dans ta vie, tout ce qui a été fait, que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu du ciel tombe et consume les complots contre ma vie. Les complots, il faut prier. Les complots au nom de Jésus. Que le feu tombe et détruise les complots. Que le feu tombe et annule les complots. Que le feu tombe et supprime les complots. Que le feu tombe. 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 Que le feu tombe au nom de Jésus. J'invoque le feu du ciel. Le feu du ciel, le feu du ciel, que le feu tombe, que le feu tombe pour consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que le feu tombe pour consumer tout ce qui ne vient pas de mon roi. Au nom de Jésus, tout ce que les hommes ont dit dans ma vie soit consumé. Tout ce que mes ennemis ont dit soit consumé. Les mauvaises semences, oh Seigneur, les semences de mes ennemis soient consumées. Que le feu tombe et consume. J'invoque le feu de Dieu pour détruire les plans du diable à travers le monde. Pour détruire les plans du diable à travers le monde. Le feu consume les plans du diable à travers le monde. Que le feu consume les plans du diable à travers le monde. Au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe. 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 Et consume tout ce qui ne vient pas de Dieu. Les maladies dans mon corps. Les maladies dans mon sang. Les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu tombe au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume la divination. Que le feu de Dieu consume la sorcellerie. Que le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Oh oui Seigneur, que le maraboutage soit consumé. Que la divination soit consumée. Le feu de Dieu consume tout ce qui a été déposé dans ma vie. Tous les problèmes qui sont entrés dans ma vie à cause des gens que j'ai connus, des gens que j'ai rencontrés. Que le feu tombe et les consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu consume les œuvres du fétichisme. Que le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu consume les échelles, les chaînes, les choses, les échelles. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume. Au nom puissant de Jésus. Le feu. Que le feu de Dieu consume les chaînes, les cordes, les choses avec lesquelles ma vie a été liée. Que le feu tombe au nom de Jésus. Le feu de Dieu maintenant tombe et consume. Le feu 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 tombe et consume. Que le feu tombe et détruise les semences de l'ennemi dans ma vie. Tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Tout ce qu'ils ont dit dans ma vie. Oh oui Seigneur, que le feu de Dieu tombe. Que le feu tombe et consume.
Que le feu tombe et consume moi. 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 Au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, par ton feu je détruis les œuvres de l'ennemi. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu consume, que le feu tombe, que le feu de Dieu tombe, tombe, tombe et consume, tombe, consume, tombe et consume, tombe et consume, que le feu tombe sur ma vie et annule les œuvres de la sorcellerie. Le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Le feu de Dieu consume les œuvres du maraboutage. Le feu de Dieu consume tout lieu où des travaux ont été faits contre ma femme et moi, contre mes enfants et moi, contre mon destin, tout ce qui a été introduit dans ma vie. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume les mauvais rêves. Que le feu tombe et consume les faux rêves. Que le feu tombe et consume les rêves sataniques. Que le feu tombe et consume les rêves diaboliques. Que le feu tombe et consume les rêves sataniques. Que le feu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe et me délivre. Que le feu tombe et me délivre. Que le feu tombe du ciel sur les œuvres de la sorcellerie. Sur les œuvres du monde des ténèbres. Le feu consume tout ce qui a été fait contre moi depuis ma famille maternelle, depuis ma famille paternelle, depuis le village. Que le feu tombe et consume tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de mon Dieu. Que le feu tombe et consume. 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 Toutes les semences de la sorcellerie dans ma vie. Que le feu tombe et consume les semences de sorcellerie dans ma vie. Les semences de la sorcellerie. J'invoque le feu pour consumer, pour consumer, pour consumer, pour consumer les semences de la sorcellerie familiale. Le feu de Dieu descend dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison et consume toutes les choses qui viennent du diable, qui viennent du diable, qui viennent du diable. Que le feu tombe et consume la distraction. Que le feu de Dieu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie dans la vie de mes enfants. Que le feu tombe. Que le feu de Dieu maintenant consume. Que le feu de Dieu maintenant consume les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie à travers le monde. Nous détruisons maintenant les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la franc-maçonnerie. Que le feu consume. Que le feu tombe et consume. Oh oui, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Que le feu consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume tous les programmes de la sorcellerie. Le feu de Dieu détruit l'agenda de la sorcellerie. Le feu détruit l'agenda de la sorcellerie. L'agenda des marabouts. L'agenda des charlatans. L'agenda du monde des ténèbres. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume toutes les semences de la sorcellerie. Toutes les semences du diable. Toutes les semences diaboliques. Que le feu de Dieu tombe et consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu tombe et consume. 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 Consume tout ce qu'ils ont déposé à moi. Toute maladie qui vient de la sorcellerie. La maladie inspirée par la sorcellerie. Les douleurs, les choses, la nourriture inspirée par la sorcellerie. Les choses introduites dans ma vie par la sorcellerie. Les mauvaises choses introduites dans ma vie par la sorcellerie. Par mes ennemis. Que le feu de Dieu tombe et consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. J'invoque le feu pour consumer. J'invoque le feu pour consumer. J'invoque le feu pour consumer. J'invoque le feu pour consumer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume tout ce que les hommes ont introduit dans ma vie, les gens ont introduit dans ma vie. J'invoque le feu de Dieu pour détruire, pour détruire, pour détruire, pour détruire les choses qui ont été transmises dans ma vie, plantées dans ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'envoie le feu pour libérer, j'invoque le feu pour détruire les œuvres de la sorcellerie, pour libérer ma vie de la prison. J'envoque le feu, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe sur mes ennemis. Où qu'il soit, que le feu maintenant, que le feu tombe sur leur traîtresse, que le feu détruise les œuvres, que le feu tombe sur les sacrifices sataniques. J'invoque le feu, que le feu tombe et consume, que le feu tombe, 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 que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe maintenant et au nom de Jésus. Le feu tombe sur les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage, les œuvres du charlatanisme. Que le feu de Dieu tombe du haut des cieux. Que le feu tombe dans ce pays et détruise les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu tombe et libère les gens de la prison.
Que le feu de Dieu tombe. Que le feu de Dieu tombe. Que le feu de Dieu tombe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il n'y a pas de mauvaise sémence dans ta vie, tu ne peux seulement qu'avoir une vie glorieuse. Amen. S'il n'y a pas de mains occultes qui ont travaillé contre toi, tu ne peux qu'avoir qu'une vie glorieuse. Amen. Mais lorsque l'ennemi a introduit n'importe quoi dans ta vie, n'importe qui dans ta vie, planifié des choses que tu crois être ta vie, alors que c'est le résultat de la manipulation diabolique, tu ne comprends même pas ce qui arrive à ta vie. Tu ne comprends même pas. Tu vis, mais tu ne comprends pas. Tu vis, mais tu n'existes pas. Tu vis, mais tu n'as pas la vie que tu dois avoir. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi la bénédiction de quelqu'un d'autre. Tu vas dire à Dieu que ton feu tombe sur les plans diaboliques, le modèle de vie familiale qu'ils ont préparé, imposé, attribué, forcé à tout le monde. Tu vas dire à Dieu, ce modèle de vie, tu consumes cela au nom de Jésus. Parce que, bien aimé, tant que tu ne détruiras pas ce que l'ennemi a introduit dans ta vie, tu ne verras jamais ce que Dieu t'a promis. Il y a deux choses. Tant que tu ne détruiras pas ce qu'ils ont dit dans ta vie, tu ne verras jamais la manifestation de ce que Dieu veut dans ta vie. C'est un fait. Tu veux pas, c'est la réalité. Tu veux, tu ne veux pas, c'est la réalité. Il y a deux personnes qui ont parlé sur ta vie. Il y a ceux-là qui maudissent ta vie et ceux-là qui bénissent ta vie. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, tout ce qui vient des hommes, tout ce qui vient des gens, tout ce qui a été introduit dans ma vie, tu consumes tout. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie, aujourd'hui, prend fin. Si tu veux voir le plan de Dieu se manifester, il faut un nettoyage spirituel. C'est moi qui te le dis. Il n'y a pas par quatre chemins. Si tu veux voir ce que Dieu a prévu dans ta vie, il faut dégager ce qui a été introduit dans ta vie il y a des années. Tu veux pas, c'est un fait inévitable. C'est quelque chose que tu ne peux pas fuir. C'est moi qui te le dis. Tu ne peux pas fuir ça. C'est la vérité, une vérité inévitable et indéniable. Tu vas dire à Dieu que le feu tombe, non seulement que le feu détruise tout ce qu'ils ont sémé dans ta vie, mais aussi tu vas demander à Dieu que ce feu-là détruise les œuvres même que tu ne sais pas. Et en même temps, tu vas dire à Dieu que ce feu-là, amen, que ce feu-là détruise entièrement, que ce feu-là détruise entièrement les œuvres même qui sont cachées dans ta vie, mais en même temps qu'il libère tes biens emprisonnés. Prions dans le nom de Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu puissant qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Alléluia, il est la flamme. La flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Personne, il est le feu, il est le feu. Le feu, il est le feu. Le feu, le feu divin, il est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Il est le feu, il est le feu. Le feu divin, il est la flamme, la flamme, la flamme divine. Qui peut contester avec Jésus? Alléluia! Il est la flamme, la flamme, la flamme divine. Qui peut contester avec Jésus? Il est la flamme,
La flamme, la flamme divine. Alléluia, il est la flamme. La flamme, la flamme, la flamme, la flamme divine. Il est le Dieu, le Dieu, le Dieu des dieux qui peut contester avec Jésus. Il est le Dieu, le Dieu, le Dieu des dieux qui peut contester avec Jésus. Alléluia, il est le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu des dieux. Alléluia, il est le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu des dieux. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme, la flamme divine. Alléluia, il est la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme divine. Il est le roi, le roi, le roi des rois. Qui peut contester avec Jésus? Il est le roi, le roi, le roi des rois. Qui peut contester avec Jésus? Alléluia. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Le roi, le roi, le roi des rois. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Le roi des rois. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de consumer tout ce qui ne vient pas de lui dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le feu vivant, tu es le Dieu des dieux. Que tout ce qui vient de mes ennemis soit consumé. Tout ce que les mauvaises langues ont semé dans ma vie soit consumé. Tout ce que les méchants ont semé dans ma vie, soit consumé au nom de Jésus. Oui Seigneur, tout ce qui influence négativement dans ma vie, soit consumé, soit ravagé, soit détruit. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Tout ce qu'ils ont semé dans ma vie, tout ce qu'ils ont semé dans mon ministère, tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Tout ce que le monde des ténèbres a planté dans ma vie, semé dans ma vie, planté dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont utilisé pour m'attacher. Je détruis tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher, pour me lier, pour m'emprisonner. Je détruis au nom de Jésus tout ce qu'ils ont dit dans ma vie, tout ce qu'ils ont fait pour emprisonner mon destin, pour emprisonner ma vie, pour emprisonner ma famille, pour emprisonner mes frères et sœurs, pour nous emprisonner. Tout ce avec quoi ils nous ont emprisonnés soit détruit. Oh oui Seigneur, que le feu de Dieu tombe et consume, que le feu tombe et consume, que le feu de Dieu tombe et consume, que le feu de Dieu tombe et consume les dépôts sataniques, les œuvres de la sorcellerie, les paroles méchantes qui ont été dites dans ma vie par mes ennemis. Oh oui Seigneur, que le feu consume. Le feu de Dieu consume et détruit tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de mon roi, tout ce qui n'a pas été planté dans ma vie. Oh oui, que le feu de Dieu renverse les réalisations du monde des ténèbres dans ma vie. Les réalisations du monde des ténèbres, les concrétisations du monde des ténèbres, tout ce qu'ils ont réussi à réaliser, tout ce qu'ils ont réussi à planifier, tout ce qu'ils ont réussi à établir, tout ce qu'ils ont réussi à installer dans ma vie, tout ce qu'ils ont réussi à introduire dans ma vie, que le feu consume. Alléluia. Que le feu consume les dépôts sataniques, les œuvres sataniques, les projets sataniques. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume tout ce que le diable et ses agents ont introduit dans ma famille, établi dans ma famille. Que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu 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 consume les dépôts, que le feu consume la maladie, que le feu consume les problèmes, que le feu consume les décisions du monde des ténèbres, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes projets, que le feu consume. Que le feu de Dieu consume les dépôts de la sorcellerie, les dépôts du fétichisme, les dépôts du maraboutage, les dépôts du charlatanisme, les dépôts du maraboutage. Que le feu consume, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu consume ce que la main des hommes a apporté dans ma vie. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus.
Que le feu de Dieu consume tout ce que mes ennemis ont sémé. Que le feu de Dieu consume tout ce que mes oppresseurs ont sémé. Que le feu consume tout ce que la bouche des hommes a apporté. Les mauvaises bouches ont sémé dans ma vie. Que le feu consume ce que les mauvaises bouches ont sémé. Que le feu consume ce que les sorciers ont sémé. Le feu consume tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Oh, je détruis les conséquences. Le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume tout ce qu'ils ont déclaré. Tout ce que la femme forte a déclaré. Au nom de Jésus. Que le feu consume et détruise. Consume, 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 consume. Au nom de Jésus. Oh oui, que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume. Que le feu consume, 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 consume au nom de Jésus. Oui, bien aimé, il faut partager, il faut partager. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce qu'ils sont en train de s'aimer dans ma vie. Tout ce qu'ils sont en train de dire dans ma vie. Que le feu de Dieu consume les dépôts du monde des ténèbres. Le dépôt du monde des ténèbres. Les dépôts du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Que le feu consume. Oui, bien aimé, il faut prier. Il faut partager. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres du fétichisme. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. 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 Si ce n'est pas parce que il y a des choses dans ta vie dont tu n'as pas besoin, ta vie allait avancer. J'ai reçu le témoignage d'une sœur. Après avoir fait des prières violentes de mes prières, ce qui est sorti de sa vie en rêve. Ce qui est sorti de sa vie, la délivrance. Elle n'arrivait pas à croire. Jusqu'à aujourd'hui, qu'elle pense à ça, là, elle est choquée. Elle est choquée. Si ce n'est pas à cause de toutes ces choses qui existent dans notre vie, de toutes ces choses qui ont été introduites dans notre vie, beaucoup de gens allaient avancer. Parce que l'ennemi voudrait que les gens meurent pauvres. Alors, il va introduire des choses dont ils n'ont pas réellement besoin dans leur vie. C'est pour ça que dans mes prières, je suis devenu dur. Parce que les chrétiens sont bizarres. Les êtres humains sont bizarres. Quelqu'un peut aller créer son problème et il vient en faire de toi le responsable. Des lois ont été établies. Respectez-les, vous allez avancer. On les viole. La Bible nous a été donnée. Lisez-la, vous allez avancer. On ne lit pas. Des enseignements ont été donnés. Appliquez-les, là, vous allez avancer. On ne les applique pas. Tu vas demander à Dieu de démolir tout ce que le monde des ténèbres a réussi à réaliser dans ta vie. Cette prière est tellement pertinente, tellement importante. Parce que si tu réussis à détruire les œuvres dont tu n'as pas besoin de dans ta vie, qui ne viennent pas de Dieu, qu'est-ce qui va rester? Il y a deux bénédictions. Il y a un qui bénit pour te faire évoluer et il y a un qui bénit pour te maintenir à l'endroit où tu n'as pas besoin d'être. Satan peut te donner du travail pour que tu restes loin du travail que Dieu a prévu pour toi. Satan peut te donner un mariage pour que tu restes loin de ton mariage de destinée. Satan peut te permettre d'aller dans un pays qui n'est même pas ton pays pour que tu ailles mourir là-bas, loin du pays que Dieu t'a destiné. Il y a deux individus qui bénissent. Dieu bénit et Satan bénit. Et quand Satan te bénit, tu le comprends plus tard. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait sur d'aucun jardin. Quand Satan te bénit, il te bénit pour que tu restes au même endroit. Il te bénit pour que tu sois esclave. Il te bénit pour que tu souffres. Voici pourquoi certaines personnes ont eu du boulot. Mais un boulot qui leur donne de la souffrance. J'ai un ami qui faisait 2 heures pour aller travailler. 2 heures pour revenir. C'est-à-dire que tout le monde a du boulot à côté de sa maison. Mais lui, son boulot qu'il a eu là, c'est un boulot de souffrance, de misère. Il y a deux qui bénissent. Dieu bénit et Satan bénit. Voici pourquoi certains ont fait des années dans des relations, perdu leur temps là-bas. Ils croyaient que c'était Dieu qui avait fait. C'est pas Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichi. Et sa parole dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu bénit, Satan bénit. Tu vas dire à Dieu,
que tout ce que le monde des ténèbres a réussi quand même à réaliser dans ta vie. Tout ce que le monde des ténèbres a réussi quand même à concrétiser. Parfois, ils ont réussi. Tu ne peux même pas me dire que tu ne peux pas me dire le contraire. Ils ont réussi. Parfois, ils ont réussi à briser des mariages. Parfois, ils ont réussi à introduire des maladies. Parfois, ils ont réussi à imposer des malédictions. Parfois, ils ont réussi à détourner les gens. Parfois, ils ont réussi à dribbler les gens. Parfois, ils ont réussi à donner des fausses prophéties. Parfois, ils ont réussi à conduire des gens dans des fausses églises. Il y a des gens qui sont dans des fausses églises. Ils ne savent pas que ce sont des fausses églises. Il y a des hommes qui n'ont pas été appelés. Mais ils décident de servir Dieu parce qu'ils ont envie de sortir de la pauvreté. Ça s'appelle une fausse église. Ces églises-là qui ne prospèrent jamais, ces églises-là qui n'avancent jamais, ces églises-là même d'où même le pasteur même a besoin de délivrance, c'est une fausse église. On peut aimer Dieu hein, au point de le servir, mais il faut savoir dans quel domaine Dieu veut que tu le serves. Tout le monde n'a pas été appelé à prendre le micro. Alors ils vont regarder comment d'autres prêchent, ils vont prendre des formations et autres. Ça ressemble à une église, mais c'est une fausse église. J'ai été dans une fausse église. Le pasteur a décidé de servir Dieu parce que quelqu'un est venu l'évangéliser. On lui a dit Jésus peut changer sa vie. Alors il va venir maintenant aller faire une formation en théologie. Alors il a trouvé que la formation était longue. Il a claqué les portes, il est parti, il a ouvert son église parce qu'il trouvait qu'il connaissait déjà. Et pendant que j'étais dans son église, Dieu m'a ouvert les yeux pour montrer, pour voir qui il était. Et je suis sorti de son église. Tu vas dire à Dieu de renverser tout ce que le monde des ténèbres a réussi à réaliser dans ta vie. Tu vas dire à Dieu de démolir parce qu'il est là. Il est le seul Dieu. Bien-aimé, quand tu es au bon endroit, il suffit seulement de commencer à prier seulement que tu as des signes dans tes rêves. Tu sais que vraiment les prières que tu fais deux jours là dérangent. Avant, tu étais quelque part où on ne te touchait même pas, même où le diable ne s'intéressait même pas à toi. Tu étais comme, oh, laissez-la. Mais maintenant, là même, tout le monde des ténèbres même s'intéresse à toi. C'est parce que tu es dans un lieu où tes prières dérangent. Tu vas dire à Dieu, tu démolis tout ce qu'ils ont réussi à bâtir dans ta famille. Il y a des familles dans lesquelles ils ont réussi à introduire le célibat. Ça, c'est la réalisation du monde des ténèbres. Et il y a des familles dans lesquelles ils ont réussi à introduire la mort prématurée. Ça, c'est ce qu'ils ont réussi. Il y a des familles dans lesquelles ils ont quand même réussi à introduire dans la division. Il y a des familles dans lesquelles ils ont quand même réussi à diviser la mère et le père, le frère et la soeur, la soeur et les cousins, ils ont réussi à réaliser. Il y a des familles dans lesquelles ils ont réussi à éloigner les enfants de leurs parents, les parents de leurs enfants. Il y a des familles dans lesquelles ils ont réussi à expulser le mari de la maison, il est parti, c'est pas pourquoi. Il y a des familles dans lesquelles ils ont réussi à s'aimer la trahison, ils ont réussi, ils ont frappé cette famille d'une grande trahison, l'adultère, et ils se sont arrangés pour que le mari découvre, que la femme découvre, pour que la souffrance règne. Tout ça là, ce sont les œuvres des ténèbres. Il ne trouve seulement que des gens pour accomplir, c'est tout. Tu vas démolir toute réalisation et projet du monde éternel par le feu de Dieu. Tu vas dire que le feu tombe et consume les réalisations du monde des ténèbres et même leurs projets, prions. Leur projet prévu pour moi-même pour ces 10 années à venir. Leur projet pour cette année. Leur projet pour le passé. Leur réalisation. Que le feu consume. Que le feu détruise et consume. Que le feu consume tout ce que le monde des ténèbres a réussi à réaliser dans ma vie. Tout ce qu'ils ont réussi à concrétiser dans ma vie. Leur concrétisation, leur mauvaise réalisation, leurs projets, leurs œuvres, leurs semences. J'ai détruit tout. Les manipulations qu'ils ont réussi, les faux rêves, les fausses révélations, les fausses choses qu'ils ont réussi à introduire dans ma vie, dans mon église, dans ma vie, dans mon ministère, dans mon entourage, dans mes amitiés, que le feu de Dieu détruise tout. Tout ce qu'ils ont réussi à introduire dans la vie de mes enfants, la distraction, la division, les projets, tout ce qu'ils ont réussi à introduire dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit. Les réalisations, les injections sataniques, les maladies, les choses, les armes qu'ils ont forgées, que le feu détruise, que le feu consume, 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 que le feu de Dieu détruise, consume, annule, 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 que le feu de Dieu consume, 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 que le feu de Dieu consume, détruise et consume, détruise et consume, que le feu de Dieu consume, consume, consume la maladie, consume les problèmes, consume les œuvres,
du monde des ténèbres. Que le feu de Dieu détruise la confusion. Que le feu de Dieu détruise la confusion. Que le feu de Dieu détruise la maladie. Que le feu de Dieu détruise les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres du fétichisme. Les œuvres du maraboutage. Le feu consume. Le feu consume les déclarations. Le feu consume les maladies. Le feu consume les serveurs du monde des ténèbres. Tous les serveurs du monde des ténèbres à travers le monde. Que le feu consume les serveurs, les banques, les serveurs, les boîtes, les serveurs, les réalisations du monde des ténèbres. Dans les quatre coins du monde, que le feu consume. Que le feu de Dieu consume toutes choses qu'ils ont réussi à introduire dans ma vie. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume les maladies, les problèmes, les souffrances. Que le feu de Dieu consume. Que le feu détruise et consume au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu détruise toute confusion, toute maladie, toute chose qu'ils ont installée dans ma vie. Que le feu consume de la tête jusqu'aux orteils, de la tête jusqu'aux orteils. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu détruise et consume. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume la maladie, les œuvres, les choses, que le feu consume, que le feu démolisse, renverse, détruise tout ce que la sorcellerie familiale a imposé dans ma vie, tout ce qui est venu dans ma vie, tout malheur qui vient de ma famille, que le feu consume, tout malheur qui sort de mon village, qui sort de mon lieu de naissance, qui sort de mon origine, j'ai détruit. Que le feu consume tout problème, tout malheur, toutes choses qu'ils ont réalisées, les maladies, les choses qu'ils ont concrétisées, qu'ils ont réalisées dans la vie de ma femme, de mon ménage, de ma vie, dans mes finances, dans mes projets. Que le feu consume la mort prématurée. Le feu consume toutes les décisions du monde des ténèbres. Que le feu de Dieu consume la maladie. Que le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres du monde des ténèbres. Les échanges sataniques. Le feu consume les échanges du monde des ténèbres. Que le feu consume les échanges du monde des ténèbres. Que le feu consume les malheurs du monde des ténèbres. Que le feu consume tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume maintenant les cachettes de mes ennemis, les cachettes, les réalisations, les documents sataniques. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu dans le ventre des avaleurs, dans les cachettes, dans le ventre. Toute femme ayant avalé mes biens, j'envoie le feu dans ton ventre. J'envoie le feu dans ton corps, dans tes parties, dans ta vie, dans tes pensées. Que le feu consume. Que le feu de Dieu tombe. J'envoie le feu dans le ventre des pouvoirs, des voleurs, des menteurs, des voleurs, des avaleurs. Que le feu tombe et consume mes ennemis. Mais le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe dans mon village, dans mon lieu de naissance, partout. Que le feu tombe et brûle le voile, que le feu consume le voile, que le feu détruise le voile, que le feu détruise le voile au nom de Jésus-Christ. Que le feu tombe, les déclarations et consume les déclarations, les paroles, les sacrifice, que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Que le feu libère mes bénédictions au nom de Jésus. Le feu libère mes finances. Le feu libère mon argent. Le feu libère mes biens. Le feu libère ma vie de prière. Que le feu tombe sur les voleurs et les consume. Ceux qui m'ont volé et les consume. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume mes photos qu'ils ont utilisées chez les marabouts. Le feu tombe et consume les photos qu'ils ont utilisées chez des marabouts, les photos qu'ils ont utilisées chez des féticheurs, les photos qu'ils ont utilisées chez les marabouts, les photos qu'ils ont utilisées chez les charlatans, les photos qu'ils ont utilisées chez les marabouts, les photos qu'ils ont utilisées au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe et consume, tombe et consume, tombe et consume,
tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu détruise les semences, les rituels, les choses, les œufs qui ont été cassés. Que le feu tombe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le feu consume tous les sacrifices dans le corps des animaux, tous les sacrifices de sang, le feu consume les sacrifices de sang, les rituels de sang, les maladies, les rituels de mort prématurée. Que le feu tombe et détruise les rituels de crise cardiaque, les rituels d'AVC, les rituels de mort prématurée. Que le feu tombe au nom de Jésus. J'envoie le feu pour libérer mes biens. J'envoie le feu dans le camp de mes ennemis. Le feu. S'il ne libère pas mes bénédictions, que le feu les consume. Que le feu les ravage. Que le feu les détruise. Oh oui, Seigneur. J'envoie le feu dans mon passé. Toute femme m'ayant volé doit restituer. Toute femme, tout homme, tout pouvoir m'ayant volé doit restituer. J'envoie le feu dans les lieux où j'ai vécu. Le feu consume les choses qu'ils ont retenues contre moi. Les choses qu'ils ont faites contre moi. Que le feu consume. Que le feu tombe et consume les serveurs de la sorcellerie, les serveurs du monde des ténèbres, les serveurs, les caméras, les appareils du monde des ténèbres. Que le feu tombe, oh oui Seigneur, que le feu tombe et consume les œuvres du monde des ténèbres, les rituels du monde des ténèbres, les œuvres du monde des ténèbres. Que le feu tombe et consume, que la confusion tombe dans le camp, la confusion, que mes ennemis soient frappés d'une confusion. Là où il est question d'une réunion contre moi, j'envoie l'esprit de confusion, j'envoie le feu de la confusion, le feu, que le feu tombe en tout lieu où ils font des réunions contre moi, en tout lieu, que le feu tombe en tout lieu, au nom de Jésus. Que le feu tombe en tout lieu où l'ennemi combat contre Jerry. Que le feu tombe en tout lieu où l'ennemi travaille contre nous. Que le feu tombe en tout lieu où l'ennemi travaille contre Chenny. Que le feu ravage. Que le feu sabote. Que le feu consume. Que le feu tombe. J'invoque le feu. Qu'il y ait une boule de feu. Qu'il y ait le feu à travers le monde. Qu'il y ait le feu à travers le monde. Au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Le feu consume. Le feu tombe et consume. Les choses faites dans la maison de ma mère. Les choses, les sacrifices, les rituels, les pactes, les choses que mes parents ont faites. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Les œuvres de la sorcellerie. Que le feu tombe et détruise tout ce qui a été enterré. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été dit de mauvais, que le feu tombe. Que le feu tombe et consume tous les vêtements de la sorcellerie sur moi. Le feu tombe, consume les vêtements maléfiques, les vêtements de pauvreté, les vêtements d'échec, les vêtements de malheur. Que le feu tombe et consume les dépôts sataniques. Que le feu tombe. J'invoque le feu au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu tombe et consume. Le feu 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 tombe et consume. Tout ce qui a été fait. Oh oui, en tout lieu où j'ai été attaché et sacrifié, j'annule les sacrifices. Je détruis les sacrifices. Je détruis tout sacrifice. Je détruis tout sacrifice. Je détruis tout sacrifice. Oh oui, Seigneur. J'envoie le feu pour dévaster les banques et libérer ma vie. Pour dévaster les banques et libérer
ma vie. J'envoie le feu pour dévaster toute banque satanique, toute banque maléfique, toute banque diabolique, toute banque occulte, toute banque diabolique, toute banque satanique, toute banque diabolique, toute banque satanique. Au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume. 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 Au nom de Jésus. Que le feu tombe. 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 Que le feu tombe et consume. Au nom de Jésus. J'invoque le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu consume. Les œuvres de la sorcellerie dans ma vie, les semences, les pièges, les œuvres, les projets de la sorcellerie. Et je libère mes affaires. Toutes mes bénédictions volées soient libérées. Tout ce qui m'a été volé soit libéré. J'envoie le feu dans le ventre des avaleurs, dans le corps des avaleuses, des voleurs, des voleuses, des manipulatrices, des voleurs, des voleuses, des voleurs, des voleuses. J'envoie le feu. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe dans le camp de mes ennemis. Que le feu tombe, qu'il y ait le feu, que le feu les brûle. Que le feu brûle tous ceux-là qui manipulent ma vie sur les autels. Tous ceux-là qui manipulent ma vie depuis les ténèbres. J'envoie le feu dans les ténèbres. Que le feu tombe, tombe. Que le feu, tombe. Et délivre ma femme. Et délivre mes enfants. Que le feu tombe. Et délivre ma maison. Que le feu tombe. Et délivre mes enfants. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe, que le feu de Dieu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu tombe et consume les œuvres du maraboutage. Que le feu de Dieu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu tombe et libère ma vie. Que le feu de Dieu tombe et libère mes affaires. Que le feu de Dieu tombe et consume. Que le feu 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 tombe et consume. Sur les œuvres de la sorcellerie. Sur les œuvres, oh oui Seigneur. Que le feu tombe dans le camp de mes ennemis. Toute main occulte qui a mes bénédictions soit consumée. Que le feu tombe dans la main des voleurs. Dans la main des voleurs. Tous ceux-là qui me volent. Que le feu tombe dans leur main. 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 Que le feu consume. Tout ce qui m'a été donné à manger dans l'enfance. Tout ce qui m'a été donné à manger dans le passé en rêve. Tout ce que j'ai mangé en rêve il y a des années. Oh, que le feu consume. Tout ce qu'on m'a donné à manger. Tout ce qu'on m'a donné à boire. Tout ce qu'on m'a donné à avaler. Que le feu tombe. Consume. Consume. Le feu consume. Le feu consume. Que le feu de Dieu ravage. Consume. Tout ce qu'on m'a donné à manger. Tout ce qu'on a donné à nos enfants à manger. Tout ce qu'ils ont donné à nos frères à manger. Tout ce qu'ils ont donné à ma femme à manger. Que le feu tombe et consume. Tout complot contre ma femme, contre ma maison, contre ma vie. Que le feu tombe et consume. Tout complot, que le feu tombe et consume. Le feu de Dieu consume. Les complots, les maladies, les œuvres, les choses. Le feu consume. Le feu consume. Le feu consume. J'invoque le feu. J'invoque le feu de l'Éternel au nom de Jésus. J'invoque le feu de l'Éternel pour consumer tout, pour détruire tout. Oh oui Seigneur, que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume. Tout ce qui a été fait pour m'enfermer, pour emprisonner mon âme, que le feu consume au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu pour détruire maintenant les tabourets sataniques. Le feu consume les cloches. Le feu consume les statuettes. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume. Tout démon en colère. Tout esprit en colère contre ma vie. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume et ravage, consume et supprime, consume et détruise, consume et annule. Que le feu consume. J'envoie le feu dans le ventre des avaleurs, des avaleuses, des détourneurs, des détourneuses, des voleurs, des détourneurs. Tout pouvoir qui a mes bénédictions doit libérer. Tout pouvoir qui a volé mes richesses doit libérer. Les voleurs d'or, les voleurs de trésors, les voleurs de bénédictions. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans le camp de mes ennemis, dans le camp de mes oppresseurs. Que le feu tombe et consume. Mes oppresseurs, mes ennemis, que le feu tombe et consume. Tous ceux-là qui sont assis sur ma vie, assis sur mon âme, assis sur mes projets, assis sur mes destinées. Que le feu consume au nom de Jésus. Que le feu consume, que le feu consume au nom de Jésus. Le feu détruit les canaries sataniques. J'envoie le feu dans les prisons spirituelles. Les prisons, le feu détruit maintenant les prisons. Le feu détruit maintenant les canaries. Le feu détruit le trône maléfique. Le trône maléfique. Tout trône maléfique dans ma famille. Le trône maléfique dans ma fondation. Le trône maléfique dans ma famille paternelle et maternelle. Le trône maléfique dans mon village. Le trône maléfique dans ma maison. Sois renversé. J'invoque le feu
pour renverser le trône, pour renverser le trône, pour renverser le trône, pour renverser le trône. J'invoque le feu, le feu pour consumer le trône de la maladie, le trône au nom de Jésus, le trône au nom de Jésus, le trône de la sorcellerie. Que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie la flamme, j'envoie le feu, j'envoie la flamme. Que le feu tombe et consume tout ce qu'ils ont semé dans ma vie, tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie, tout ce qu'ils ont dit dans ma vie. Que le feu ravage, consume les choses, les réalisations du monde des ténèbres, les réalisations antérieures et les projets actuels, les œuvres du monde des ténèbres, les touches du monde des ténèbres. Que le feu tombe et consume. Tout ce qu'ils ont fait pour saboter ma vie soit consumé. Tout ce qu'ils ont prévu pour détruire ma vie soit consumé. Tout ce qu'ils ont fait pour saboter ma vie soit consumé. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. La maladie, les dossiers que le diable retient contre nous, les accusations. Oh oui Seigneur, que le feu tombe et consume les accusations du monde des ténèbres. Que le feu tombe et consume. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'invoque le feu, dans ma maison. Le feu pour libérer ma maison, pour libérer ma maison de toute opération satanique, pour libérer ma maison de toute présence satanique. Que le feu tombe, le feu tombe et libère, que le feu tombe au nom de Jésus. Le feu tombe et libère, le feu tombe et libère, que le feu tombe et libère mon mariage, que le feu tombe et libère mes affaires, que le feu tombe et libère toutes choses qui m'étaient destinées par Dieu, que la sorcellerie a possédé, que la sorcellerie a bloqué, que le feu tombe et libère, nos destinées, que le feu tombe et libère au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu de Dieu maintenant, le feu tombe du ciel, que le feu tombe sur mes ennemis et leurs œuvres, en tout lieu, en tout temps. J'envoie le feu dans le monde des ténèbres, le feu sous terre, le feu sur terre, que le feu tombe, le feu de Dieu tombe et détruise leurs projets sataniques. Leurs projets maléfiques, que le feu tombe et consume tous les projets sataniques à travers le monde. Le feu tombe et consume tous les projets sataniques, à travers le monde. Que le feu tombe et consume tous les projets sataniques à travers le monde. Toutes les décisions sataniques à travers le monde. Que le feu tombe, et détruise les projets du diable dans les quatre coins du monde. Les projets du diable à travers le monde. Les projets sataniques. Des sacrifices humains, que le feu tombe et consume. Le feu de Dieu, que le feu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres de maraboutage, les œuvres de charlatanisme. Que le feu tombe, que le feu tombe, et consume la maladie, consume les réalisations, le voile, les choses, la réalisation, le voile, les prisons sataniques. Que le feu tombe sur les prisons sataniques. Que le feu tombe sur les prisons maléfiques, les décrets maléfiques, les décisions maléfiques dans les quatre coins du monde. Que le feu détruise les plans de Satan. Que le feu détruise tous les plans de Satan, les plans de mort, les plans d'accident, les plans d'exécution, les plans de sacrifice humain. Que le feu tombe et détruise au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu détruise maintenant les décisions prises par Satan à travers le monde. Que le feu consume, que le feu ravage, que le feu détruise, que le feu tombe et consume. Le feu, que le feu tombe, tout ce que le gouvernement de Satan a décidé contre moi. Que le feu tombe, les décisions du gouvernement de la sorcellerie familiale. Le feu tombe et consume. Le feu tombe, toute sorcière assise sur ma vie, mes projets, mon destin.
destin soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas reprendre la prière. Il n'y a pas de prière qui est inspirée si ce n'est pas de Dieu. La Bible déclare qu'il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu vas demander au feu de Dieu de tomber sur les projets sataniques. Tu vas demander au feu de Dieu de tomber sur les projets maléfiques. Tu vas demander au feu de Dieu de tomber sur les réalisations du diable à travers le monde. Ils ont vraiment de la misère et ils vont avoir plus que de la misère. C'est à cause de ce que l'ennemi a réussi à faire dans nos vies qu'on a des problèmes. Il y a des gens qui rêvent et demain, le rêve s'accomplit. Le lendemain, ça s'accomplit. Il y a des gens qui sont volés et le lendemain, ils perdent le boulot. Il y a des gens qui ont des rencontres bizarres et le lendemain, ils ont des rencontres bizarres et ils ne s'en rendent même pas compte. Que le feu tombe. Tu vas dire à Dieu, comme Élie l'a dit, Éternel, que toute la terre sache que tu es vivant. Moi-même, je sais que tu es vivant. Le Dieu qui a répondu à Élie par le feu, aujourd'hui, si tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais, que ton feu tombe et détruise. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, le Dieu qui a répondu à Élie par le feu, alléluia, le Dieu qui répond par le feu, oh Dieu tout puissant, aujourd'hui, je veux que la terre entière sache que tu es Dieu. Tu as dit, Élie était un homme comme moi. Il a prié, il a fermé le ciel. Aujourd'hui, que le feu tombe sur tout ce que l'ennemi a fait pour fermer mon ciel. Que le feu tombe et consume. Le feu, le feu, le feu, le feu. Que le feu tombe et consume. Que le feu consume les œuvres du fétichisme, les semences du monde des ténèbres dans ma vie. Que le feu tombe et consume. Que le feu de Dieu consume les réalisations de la sorcellerie, les projets de la sorcellerie, les mensonges de la sorcellerie. Que le feu de Dieu tombe et consume les choses qui ont été faites dans ma famille maternelle, paternelle, dans mon village, dans ma famille. Le feu tombe et consume les réalisations de la sorcellerie, les projets de la sorcellerie, les manipulations de la sorcellerie. Que le feu tombe et consume les faux mariages qui ont été conçus dans les ténèbres, conçus dans les ténèbres. Que le feu tombe et consume les faux mariages, les fausses amitiés, les fausses réalisations qui ont été conçues dans le monde des ténèbres. Le feu consume, le feu consume, le faux consume, le feu consume, les fausses morts, les fausses morts, les faux mariages, les fausses réalisations du monde des ténèbres. Que le feu tombe au nom de Jésus. J'invoque le feu pour consumer, 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 le feu pour consumer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume. Consume, 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 consume. Tout ce qu'ils ont réalisé dans ma vie. Tout ce que la sorcellerie a réalisé dans ma vie. Tout ce que les gens ont introduit dans ma vie. Que le feu tombe et consume. La sorcellerie familiale. La mort prématurée. La mort par coup de maladie. La mort. Que le feu consume. Tout ce que mes ennemis ont programmé, provoqué, écrit, réalisé, transformé dans ma vie. Que le feu tombe et consume. Le feu consume. Le feu consume. Le feu consume. Que le feu consume. Les œuvres de la sorcellerie, les mensonges de la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie. Que le feu tombe et consume. 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 Les projets, les palabres, les histoires, les conflits créés dans ma vie par la sorcellerie.
Que le feu de Dieu consume les railleries, les complots qui ont été montés contre moi par mes détracteurs, ceux-là qui font des réunions contre moi. Que le feu tombe dans le camp. Que le feu tombe. Le feu frappe mes ennemis. Que le feu tombe dans le camp de mes ennemis. Que le feu annule tout ce qu'ils ont fait. Que le feu consume tout ce qu'ils ont dit. Que le feu annule tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Tous les malheurs. Le feu tombe et consume tout démon qui bloque ma maison. Qui bloque ma vie. Tout démon envoyé pour bloquer. Tout féticheur envoyé pour bloquer. Que le feu tombe et consume. Le feu tombe et consume les pratiques magiques contre moi. Les pratiques sataniques. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Les dépôts sataniques. Les sacrifices humains. Les choses, les crimes, les choses. Que le feu consume. Que le feu tombe et consume mes erreurs, consume les semences du diable dans ma vie. Le feu consume les œuvres de la sorcellerie à travers le monde. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe et consume. Le feu ravage les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage, les œuvres de la mort. Le feu consume. La misère, la pauvreté, la déchéance, l'échec. Que le feu tombe et consume tous les plans de la sorcellerie. Que le feu tombe et consume tout ce qui a été dit de mal contre moi. Que le feu tombe et consume le pouvoir des mauvaises langues, le pouvoir des manipulations. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume les dépôts, les déchets, les choses, les forces sceptiques. Le feu maintenant. Le feu tombe et consume les caméras de la sorcellerie, les satellites de la sorcellerie. Que le feu tombe et consume les projets de Lucifer, les projets de la sorcellerie, les projets des francs-maçons, les projets du diable à travers le monde. Que le feu tombe et consume les projets du diable par à travers le monde. Que le feu tombe et consume 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 les projets du diable. Soit compromis. Que le feu consume tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie, tout ce qu'ils ont fait dans ma vie, tout ce qu'ils ont dit dans ma vie, tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Le feu consume les plans, les complots, les infiltrés du monde des ténèbres. Que le feu consume les plans des infiltrés du monde des ténèbres. Les infiltrés. J'envoie le feu pour consumer tout gardien des bénédictions. Gardien des bénédictions sataniques, tout gardien satanique des bénédictions, tout gardien maléfique, que le feu consume, tout gardien, que le feu consume, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes qui n'entreront dans leur destinée, amen, qui n'entreront dans leur destinée que si les gardiens des miracles que la Bible appelle l'homme fort sont dégagés. Bien-aimés, il y a des gens, leur vie, là, des forces qui sont assises dessus. Lorsque un blanc était en train de rendre son témoignage, ça c'est encore un blanc. Eux là, les histoires de démonologie là, c'est eux-mêmes qui sont un peu réticents dessus. Mais le blanc dit que Dieu lui avait prédestiné une maison. Et lui vivait dans une petite maison et sa famille, c'était la misère. Il a fait un songe. Dans le songe, il était dans une maison sale, délabrée, une maison modeste et pauvre. Et lui voit à distance une belle maison et dans son esprit, il se disait, mais si cette maison-là même pouvait m'appartenir, c'était bien. Aussitôt qu'il a émis le vœu, il sort de la maison et se trouve devant la maison. Mais il ne pouvait pas entrer dans la maison parce qu'il y avait un grand démon qui avait été envoyé pour garder la maison. Ainsi, le démon qui gardait sa bénédiction, que la Bible appelle ça l'homme fort. Si tu analyses bien ce que j'ai dit, tu verras que ce que je dis est vrai. La Bible dit, quand un homme fort est armé, coupe ton micro, Daniel, tu nous fais du bruit. Quand un homme fort est armé
et garde la maison. La Bible dit quoi? Ce qu'il possède est en sûreté. Amen. Donc quand l'homme fort garde tes bénédictions, la Bible dit, ce qu'il possède est en sûreté. Je viens au Canada en train de galérer. Je cherche que Dieu m'aide à évoluer. Et vous allez comprendre que moi, je sais que Dieu va me bénir. Un point, c'est tout. Et le Seigneur va me montrer une maison qui m'appartient. Cette maison-là, tôt ou tard, je dois la voir au Canada. Et je vois un homme de mon village que je connais bien. Il est assis au milieu de la maison et il surveille. Au départ, ça ne m'a rien dit. Je me suis dit, c'est encore l'un de ses rêves. Mais je savais que c'était une maison que Dieu voulait me donner. Dans un autre rêve, j'ai vu une femme habillée en tenue de soldat. Tu vois les gardiens là, non? Une femme. Oh, comment on appelle ça? Les vigiles. Voilà. Une femme qui était assise au milieu du salon de ma maison. Elle, sa mission, c'est de veiller, de surveiller la maison. C'est là que j'ai compris qu'il y a des gardiens, il y a des esprits assignés à garder certaines choses que Dieu a plantées dans ta vie pour que tu ne les réalises pas. On les appelle les gardiens maléfiques de mes munitions. Ce sont eux qui sont supposés de créer la zizanie, les railleries, la distraction. Si tu vois un enfant de Dieu qui n'avance jamais, qui ne se concentre jamais, qui n'évolue jamais, qui ne réussit jamais, qui ne se concentre jamais et autres, analyse bien sa vie et tu verras que ils ont établi ça dans sa vie un gardien de bénédiction. Et la preuve de ce que la Bible dit, c'est ce que j'ai vécu. La Bible dit que quand un homme fort garde la maison d'une personne, c'est qui spirituellement? C'est sa vie. La Bible dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et vous savez que le synonyme de maison, c'est aussi temple. Or, cette maison, la Bible dit que quand un homme fort garde toutes les bénédictions de cette maison, c'est-à-dire les bénédictions dans ta vie, sont en sûreté de chez l'homme fort. Il faut d'abord que l'homme fort soit dégagé pour que tu puisses posséder ce qui est à toi. Or, il y a des gens dans la vie de qui ils ont déjà envoyé des démons de distraction. Ce démon a pour mission de faire en sorte que tu ne te concentres jamais pour réaliser ce que tu dois réaliser. Il y a des gens qui ont envoyé des gardiens de bénédiction. Ce sont ces esprits-là de distraction, de déconcentration, de manque d'attention, de paresse et de lourdeur. Le jour que tu as l'envie de faire quelque chose qui te traverse l'esprit, le démon se contentera de te parler immédiatement. Et si tu faisais le contraire? Le jour que Dieu va t'inspirer quelque chose, tu vas être heureux ou heureuse d'aller expliquer à quelqu'un, malheur pour toi si tu tombes sur quelqu'un qui peut être influençable. Le démon va parler par sa bouche. Oh, ce projet ne réussira pas. Non, ne le fais pas. Oh non, ne le fais pas. Les gardiens de bénédiction. Il y a ceux-là pour entrer dans leur mariage. Il faut que l'homme fort qui garde la dégage. Il y a ceux et celles-là qui, pour réussir, il faut que le mari de nuit là qui garde ta vie. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que vous priez, et puis Dieu va vous bénir. Ce n'est pas un mari de nuit qui vient coucher avec vous. Si ce n'est pas un gardien qui est supposé te surveiller pour que tu ne rentres pas dans ta bénédiction, pourquoi ils ne viennent te combattre que quand tu dois posséder la bénédiction? On les appelle les gardiens des miracles. Il y a des gens qui devraient rentrer dans leur bénédiction. Les seules révélations qu'ils ont eues, il y a eu des militaires qui sont venus les bloquer. Tu vas où? Tu vas où? Tu ne passeras pas. On les appelle les gardiens des bénédictions. Comme une dame a prêché, elle dit, ce sont des gens qui sont des gardiens des limites. Mais moi, je les appelle gardiens des bénédictions. Pourquoi? Parce que la seule raison pour laquelle ils ont été introduits dans ta vie,
c'est de veiller à ce que tu n'accomplisses pas tes vraies destinées, tes bénédictions, que tu ne les possèdes pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des gardiens, des démons qui veillent chez eux, des esprits diaboliques. Et ces genres de choses-là, pour sortir de là, toi-même, tu dois prier. Je vous ai déjà raconté l'histoire, non? D'un gardien de bénédiction dans ma vie. Un gardien de destinée maléfique. C'est un esprit de python. Quand j'ai vaincu, chaque fois que je devais être béni, cet esprit apparaissait dans mes rêves. Quand il apparaît, c'est fini. Le lendemain, là, j'ai fait des bêtises et toutes les promesses sont annulées. Le jour que j'ai vaincu ce démon qui avait pour mission de veiller à ce que je ne rentre jamais dans la grâce de Dieu. Bien-aimé, Eloge Kissi est assis devant vous, entendez-vous parler. Il y a des femmes, il y a des gardiens de destinée dans leur vie. Ces programmes-là, il faut que je le fasse un jour pour qu'on dégage ces gardiens. La Bible dit que quand l'homme fort qui garde là, il a toutes les assurances, il a tous les éléments, il est en sûreté. Tu ne peux jamais rentrer dans ta bénédiction. La Bible dit que même le juste, il ne peut rien faire. La Bible dit, tu ne peux rien faire. Dieu est juste en train de te dire que quand il y a un problème sérieux à régler dans ta vie là, ce problème sérieux là, que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu ne le règles pas, tu ne vas jamais avancer. Pour moi, c'est une maison qu'ils ont gardée. Même ma porte du Ghana, qui devrait être le pays où j'allais avoir le visa, ils ont cadenassé. Et ils ont mis des gens qui surveillaient le chemin. Parfois, j'étais sur des chemins et un homme était arrêté là. Il dit, tu ne passes pas ici, tu passes de l'autre côté. C'était un gardien de la porte des destinées. Il faut noter, les gardiens de la porte des destinées. Il y a des femmes qui ont déjà été confrontées à ces gardiens de la porte des destinées. Je t'assure que tu étais en rêve, mais un homme te barrait le chemin. Amen. Tu étais sur le chemin, mais un homme te barrait le chemin. Tu vas où? Parfois même, ils osent même te demander tes pièces d'identité. Contrôle de routine, en rêve. On les appelle les gardiens de la porte de destinée. Quand vous les voyez en rêve là, moi j'ai vu des militaires, des policiers, des gendarmes, des gens qui surveillaient le chemin où je partais. Les gardiens de la porte de destinée. Voici pourquoi certains ne rentrent jamais dans le mariage. Ils sont là pour veiller. Dans une relation, ils vont venir te combattre, ils vont venir te saboter. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent apprendre à prier. Parce que eux là, ils courent derrière les pasteurs. Or, ce n'est pas suffisant pour te sortir de ton problème. Je t'assure. Sauf si le pasteur avec qui tu vas prier va prendre des heures. Qui a le temps pour venir prendre des heures pour toi? On a tous nos problèmes et autres. Ce sont des choses et autres. Les gardiens de la porte de destinée. Qui est ce gardien-là? Et puis, très souvent, tu les vois en rêve. Un monsieur devrait avoir de l'argent. Je crois que ça, là, il faut noter plus tard. On va faire un film sur ça pour qu'il l'envoie. Et puis, toujours, son oncle se présentait à lui. Son oncle se présentait à lui pour venir le visiter. Et quand son oncle le visitait, et puis il partait. Après cette visite, toutes les choses qu'on lui a promises sont annulées. Il était étonné. Il ne comprenait pas. Chaque fois qu'il lutte avec la banque pour avoir le financement, dès qu'on réussit à lui donner un rendez-vous après, qui sait, je ne sais quoi. Il ouvre la porte et puis c'est son oncle qui sort, qui vient. Ah bonjour mon fils, je suis venu te voir. Et puis étrangement, quand son oncle est là, il part, tout a annulé. Il a commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi chaque fois que ce monsieur-là, il se présente à moi, tout est annulé. Qu'est-ce qui va se passer? Il a commencé à comprendre que le gars est un sorcier. Il venait du village chaque fois qu'on lui donnait un bon rendez-vous. C'était un gardien. Il est supposé venir annuler. Vas-y, ils vont le bénir, va détruire. Il y en a à qui ils envoient la masturbation. Vas-y, ils vont le bénir, va le faire pécher. Il y en a, c'est la colère. Vas-y, ils vont les bénir, va les mettre en conflit. Il y en a, ce sont les disputes et les querelles. Et les gens ne se rendent même pas compte que ça se répète toujours dans les mêmes circonstances et dans les mêmes tendances et dans le même temps. Tu ne peux pas comprendre que ce sont des choses qui se répéteront jusqu'à ce que tu puisses les vaincre pour entrer dans ta bénédiction. Ce sont des gardiens de la porte de destinée. Parfois, ce sont des oncles qui ne veulent pas te voir réussir. Des tantes qui t'ont juré la guerre. Des frères qui ne veulent pas te voir être bénis. Et comme ils savent qu'une personne qui pêche ne veut pas être bénie, dès que tu veux être béni, il se présente dans tes rêves. Parfois c'est la tante de la soeur de ta mère. Parfois c'est le frère de ton père. Parfois c'est quelqu'un qui ne veut même pas voir les enfants de ta mère. Dès que toutes les nuits,
il soulève les histoires, il crée tout. C'est gardien de la porte des destinées. Si tu ne les aimes pas, tu ne peux jamais rentrer dans ta bénédiction. J'avais quelqu'un que je connais très bien, qui m'est très proche, qui venait coucher avec moi chaque fois que je voulais être béni. Le jour que Dieu m'a permis de comprendre ça, quand j'étais très jeune, j'ai renversé ça. J'ai renversé. Il y avait quelqu'un que je voyais toujours en rêve. C'était des bœufs, c'était des taureaux, c'était des choses. Mais le jour que le monsieur est mort, l'Esprit de Dieu est venu me dire, maintenant tu es libre, éloge. Tant que ces hommes forts n'étaient pas renversés et dégagés, ma vie ne pouvait jamais avancer. Il y a des gens qui ont des gardiens des percées financières. Eux là, ils sont là pour garder tes bénédictions financières. Ils sont là pour limiter tes finances. Tu vas remarquer que tout ce qui peut t'apporter de l'argent, ils détruisent. Il y a les briseurs de mariage. Les briseurs de mariage. Toutes les relations que tu bâtis, ils les cassent. Les gardiens de la porte des destinées et aussi les briseurs des destinées. Bien-aimé, entrer dans sa destinée, c'est par la violence. Si tu veux prier, on va prier. Tu vas dire à Dieu que le feu tombe. Mais ce ne sont pas les prières que tu tenais pour aller faire. Tu te répands. Tu demandes à Dieu pardon. Je sais que dans notre cas, on a déjà fait notre repentance avant de commencer cette prière. Et d'ailleurs, ça fait je ne sais plus combien de temps qu'on est en ligne, on est en train de prier. Mais tu dois prier. Amen. Tu dois te battre. Il faut que ces esprits-là dégagent. Bien-aimé, si ce n'est pas à cause de ces soldats, de ces gardiens, ça fait 1h55 qu'on est là. De ces soldats, de ces gardiens, de ces forces occultes, ta vie serait loin. C'est parce que les gens ne savent pas prier, ils n'ont pas le discernement. Ils ont passé toute leur vie à vagabonder derrière les pasteurs. Je le dirai toujours, même si ça ne leur plaît pas. Des vrais vagabonds, c'est ça qui les a tués. Si les enfants de Dieu savaient que c'est une vraie confrontation spirituelle et personnelle, pourquoi aller rentrer dans leur destinée? Tu vas dire à Dieu aujourd'hui que le feu tombe sur les gardiens de la porte des destinées. Puis je partais au Ghana. À l'ambassade, juste avant d'aller à l'ambassade, j'avais prié et j'avais confessé tous mes péchés. Et il y a un homme qui est arrêté sur la route, sur une chaise, il est assis, il a pris ses deux pieds pour barrer le chemin. Il me dit, monsieur, vous allez où? Dans le rêve, je l'ai regardé avec dédain, j'ai dégagé ses pieds de là. Et je suis passé. Bien, mais s'il avait réussi à me bloquer, le projet n'aurait pas réussi. Malheureusement, il y a ceux-là qui ont échoué dans leur rêve. Parce que dans le rêve, ils ont réussi à t'empêcher de passer. Dans le rêve, tu courais avec quelqu'un, tu allais quelque part avec quelqu'un. On a laissé passer la personne, mais toi, on t'a bloqué. C'est que les gardiens ont réussi à te retenir. Tu passais quelque part, on dit tu n'as pas les papiers pour passer. Tu as des gardiens dans ta vie. Tu vois des militaires en rêve, tu as des gardiens dans ta vie. Il y a des signes qui montrent que tu as des gardiens de destinée. Tu pars quelque part, un chien te poursuit pour t'éloigner de où tu dois aller. Tu pars quelque part, un militaire, des policiers, on te poursuit pour t'éloigner de là. Ce sont des gardiens qui agissent comme ça. Quand ils sont dans ta vie, tu te vois poursuivre par des chiens. Tu te vois barrer le chemin par des chiens, par des taureaux, par des embûches. Tu veux aller quelque part, mais il y a une montagne, il y a une barrière, il y a une fosse, il y a une rivière qui te coupe le chemin. Ce qui veut dire qu'il y a des pouvoirs qui gardent ton chemin pour que tu n'avances jamais. Tu te vois en train d'escalader une montagne. C'est qu'ils ont, ils ont mis des barrières là. Les enfants de Dieu ont tellement de problèmes. Et leur seul problème que je leur reproche, c'est d'avoir été dans des églises pendant des années pour être comme des ignorants, assis à remplir des bancs, à une bouche fermée, à attendre que le pasteur finisse son culte pour aller lui expliquer des problèmes qui ne finiront jamais, et ce même après 10 ans d'explication. Et ils ne le comprennent pas. Ils sont tellement têtus. Le diable les a tellement aveuglés. Aveuglés. Que eux-mêmes, ils sont les causes de leur propre malheur. Chaque fois que tu veux avancer, on vient coucher avec toi en rêve. Tu ne veux pas te poser une question. Chaque fois que tu pries, on vient te souiller en rêve. On vient même te déshabiller. Parfois même, tu es sans force.
Et ils viennent même avec une puissance occulte et ils arrivent même à... ils te soumettent avant de venir. Facilement comme ça, l'ennemi prend pour lui et puis s'en va. Il t'arrache tes dos et puis il part. Les gardiens de la porte des destinées. Voici pourquoi je dis aux gens, celui qui écrit quand je prie, je le bloque. Je ne suis pas là pour jouer. Tu vas dire à Dieu que le feu tombe sur toute femme qui a été établie par le monde des ténèbres pour garder mes bénédictions. Que le feu tombe sur tout homme qui a été mandaté pour garder mes bénédictions. Que le feu tombe sur tout frère, sorcier, tout individu, sorcier, toute sorcière qui a été mandatée depuis mon village, assignée à ma vie pour garder ma maison, pour garder les militaires, les vigiles sataniques. Que le feu tombe sur les gardiens de la porte des destinées. Que le feu tombe sur la dette, sur les gardiens de la destinée, les gardiens de la route de prospérité, les gardiens de la porte des destinées. Que le feu tombe sur les gardiens, sur les sorciers, sur les sorcières, sur ces gens sorciers, sur ces sorciers de ma famille, les sorciers de mon village, les sorciers de ma génération qui ont été mandatés pour s'assurer que ma vie n'avance pas. Les agents sataniques qui ont été mandatés pour s'assurer que je ne prospère pas. Que le feu tombe. Le feu tombe sur les gardiens de l'alliance du mariage, les gardiens maintenant, les pouvoirs anti-mariage, que le feu tombe et les consume. Que le feu tombe et consume les gardiens de la destinée, les gardiens de la porte des destinées, les gardiens des bénédictions qui sont là pour veiller à ce que je n'avance pas. Que le feu tombe et les consume, que le feu tombe et les détruise, que le feu tombe et les ravage. Que le feu tombe et ravage les gardiens de la porte des destinées. Que le feu tombe et ravage les voleurs, les dépouilleurs, les détourneurs. Que le feu tombe et consume les gardiens, tous ceux-là qui bloquent mon chemin. Toute sorcière qui a pour mission de garder mon chemin, qui a pour mission de barrer mon chemin, soit ravagée. Que le feu de Dieu tombe. J'envoie maintenant le feu. Le feu. Lève-toi et envoie le feu. J'envoie maintenant le feu pour consumer les gardiens de la porte des destinées. Que ces chiens-là qui me combattent en règle soient consumés. Les chiens et leurs représentants. Les chiens au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume. Le feu, viens me bat les mains et envoie le feu. Bat les mains et envoie le feu. Que le feu tombe et consume les gardiens de la porte de ma destinée. Ces sorciers, ces sorcières, ces agents sataniques qui gardent ma porte de bénédiction. Que le feu les consume au nom de Jésus. J'envoie maintenant le feu. Pour consumer les gardiens de la destinée de mes enfants. Tout pouvoir qui surveille. Oh, les gardiens maléfiques de la porte des destinées. Les hommes forts qui parlent mon chemin de destinée. Les ennemis qui sont assis sur mes réalisations, sur mes projets. Que le feu consume. Tout sorcier assis sur ma vie. Toute sorcière assise sur ma vie. Tout pouvoir assis sur ma vie. Que le feu tombe et consume. Le feu. Tous ceux qui sont assis sur ma vie. Que le feu tombe et les consume au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume les gardiens au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume les gardiens au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume les gardiens au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume les gardiens de la porte des destinées. Tout individu qui a été mandaté pour s'asseoir sur ma vie, pour bloquer ma vie, pour bloquer mes projets, soit ravagé. Que le feu tombe et tombe. Consume l'homme fort à la base de mes malheurs. Que la femme forte à la base de mes malheurs soit frappée par la mort. Soit frappée. Les agents sataniques à la base de mes malheurs. Que le feu tombe. Que le feu tombe et les consume. Que le feu tombe et les consume. Que le feu tombe et consume. Toute sorcière, tout agent satanique à la base de mes malheurs. À la base de mes problèmes, que le feu tombe et consume. Que le feu de Dieu tombe sur les gardiens de mes destinées, les gardiens de ma percée financière, les pouvoirs, les militaires, les sorciers installés par la sorcellerie familiale, les démons. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume les gardiens de ma maison, les gardiens de mes aides, les gardiens de mes bénédictions, les gardiens de mon exubérance. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume toute sorcière qui m'a juré la guerre. J'invoque le feu pour consumer. J'invoque le feu pour consumer les gardiens de ma destinée. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus.
Que le feu tombe et consume. 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 Toute sorcière, toute sorcière, toute sorcière qui bloque ma vie, qui bloque mes destinées. Que le feu de Dieu tombe et consume. Tombe et consume. Tombe et consume. Tombe et consume. Que le feu 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 tombe et consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe et consume tous ceux-là qui sont assis sur ma vie. Le feu tombe et consume toute sorcière de ma famille qui a mes bénédictions en main, qui a ma vie en main, qui a mes projets, qui a mes vêtements. Que le feu tombe et consume les voleurs d'habits, les voleurs de destinées, les voleurs d'étoiles. Que le feu tombe et consume les voleurs d'étoiles. Que le feu tombe et consume les détourneurs de bénédictions financières, les détourneurs de bénédictions, les détourneurs. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume les briseurs des rêves, les briseurs des mariages, les briseurs de mariages, le briseur des mariages, le briseur de la destinée conjugale. Que le feu tombe et consume le briseur des relations, le briseur d'amitié, les briseurs d'amitié, les briseurs de destinée, les briseurs, les interrupteurs, les freins sataniques. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume, 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 consume. Que le feu de Dieu tombe et consume au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe et consume. Que le feu de Dieu tombe et consume. Que le feu de Dieu tombe et consume. Que le feu de Dieu tombe et consume. Consume les briseurs des mariages. Les briseurs des mariages. Les briseurs des destinées. Les briseurs des projets. Les briseurs. Tout pouvoir qui est assis sur mes livres, sur mes réalisations, sur mes projets, sur mes dossiers, sur mes affaires, soit consumé. Oh oui. Que le feu tombe et consume les voleurs d'habits, les voleurs d'identité. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume les voleurs d'identité, les voleurs de destinée, les voleurs, les voleuses, les détourneurs. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume, que le feu consume les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume tout voile de la sorcellerie, le voile de la sorcellerie, le voile de la sorcellerie sur ma maison, sur ma maison, sur ma maison, sur ma maison, que le feu tombe et consume tout ce qu'ils ont utilisé pour fermer mon ciel. Que le feu tombe, que le marteau tombe et brise, que le marteau de Dieu tombe et brise, que le marteau tombe et brise, que le feu brise, que le feu consume, que le feu consume, que le feu tombe et consume, que le marteau de Dieu tombe et brise, que le marteau de Dieu frappe et brise, 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 que le feu de Dieu tombe, 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 tombe. J'invoque la hache de Dieu et le feu de Dieu, la hache, le feu. Le marteau, la hache, le feu, 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 le marteau, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. J'invoque le marteau, le feu, la hache, le tonnerre pour frapper, pour briser, pour broyer, pour briser, pour foudroyer. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et détruise les complots et détruise les œuvres et détruise les complots. Que le feu tombe, que le feu tombe et consume, que le feu tombe et ravage, que le feu tombe et détruise, que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe et consume. Que le feu de Dieu tombe et consume. Que le feu de Dieu tombe et consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu, 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 le feu. Que le feu consume tous les projets de Satan dans les quatre coins du monde. Les décisions de Satan, les impositions de Satan, les œuvres. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Les déclarations sataniques, les déclarations de mort de ma vie, les déclarations sataniques sur ma vie, sur mes projets, sur mes affaires, soient consumées. Que le feu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Les plans de la sorcellerie, les initiations, la nourriture, que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Tout pouvoir qui garde ma vie soit consumé.
Tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des ténèbres, qui garde, qui garde, qui garde, qui garde, que le feu consume. L'homme fort, qui règne à ma place. Les voleuses, les voleurs, les voleuses, les voleurs, les voleuses, les voleurs, les voleuses. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume. Les voleurs, les voleuses, les voleurs, les voleuses, les voleurs, les voleuses. Que le feu tombe et consume, 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 que le feu tombe et consume. Les détourneurs, les détourneurs, les détourneurs de voyages, des choses qui m'ont été volées, des chances, des choses, des biens, des destinées, que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Tous les voleurs, oh oui, que le feu consume, que le feu consume, du premier au dernier, mes détracteurs, mes ennemis, mes oppresseurs, mes adversaires, que le feu consume, que le feu consume, tous ceux-là qui sont à la base de mes malheurs, à la base de mes problèmes, à la base de mes soucis, que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu consume, 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 consume. Que le feu de Dieu consume, 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 consume. Les hommes forts, les femmes fortes, les hommes forts, les femmes fortes, les hommes forts, les femmes fortes, les hommes forts, les gardiens de destinée, les gardiens de la porte de destinée. Toute gardienne, toute gardienne, toute gardienne, tout individu qui a pour mission de me bloquer, soit dégagé. Le feu tombe et consume, le feu tombe et consume. Les chiens, les lions, les animaux, les chiens, les serpents, les démons qui ont pour mission de bloquer ma vie. Les sorciers, les sorcières, les agents, les envoyés du monde des ténèbres. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. Les connexions établies par le diable. Les connexions sataniques, les connexions diaboliques, les connexions sataniques, les connexions diaboliques. Que le feu tombe, que le feu consume, que le feu brise. Les connexions diaboliques, les connexions sataniques, les connexions maléfiques. Que le feu tombe, que le feu, le feu, le feu, le feu détruit, le feu détruit. Les alliances de ma famille, les accords, les pactes, les décrets, les alliances, les accords, les pactes, les décrets, les alliances, les accords, les pactes, les décrets. Que le feu tombe et consume. Les décisions de la sorcellerie familiale, les déclarations, les libations, les envoûtements par excréments. Que le feu consume, les mauvais rêves. Que le feu consume, les mauvais rêves, que le feu consume, les mauvais rêves, que le feu consume, les mauvais rêves, que le feu de Dieu consume, les mauvais rêves, les mauvais rêves, les mauvais rêves, les mauvais rêves, le feu de Dieu consume, les rêves sataniques, les rêves sataniques, les rêves sataniques, que le feu de Dieu consume, 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 consume, consume. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas maintenant dire à Dieu, aujourd'hui, que le feu tombe sur toute chose qui a été faite dans ta vie, dans le passé, dans le présent. Et en même temps, tu vas invoquer le feu pour consumer, le marteau pour briser et l'épée pour décimer. Trois armes à la fois. Ils ne pourront même pas échapper. Tu vas maintenant ordonner au filet de l'Éternel de les saisir. Qu'ils ne puissent même pas s'échapper. Bien-aimé, ça fait plus de 2 heures qu'on est là. Je sais que tu es peut-être épuisé. Mais si tu as sommeil, je te dirai de te lever. Ouais. Donc, on va reprendre. J'ai donné aux gens sur YouTube la possibilité de prier, mais ils sont distraits. Je vais les déconnecter tout de suite. Tu vas dire à Dieu, tu invoques le feu pour consumer, le marteau pour briser, l'épée pour décimer, et le filet de l'Éternel pour les capturer. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit d'invoquer les armes. Prenez par-dessus tout, toutes les armes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prenons par-dessus tout, toutes les armes. Seigneur, réveille-moi de toutes les armes de la guerre spirituelle. Réveille-moi de ton bouclier, réveille-moi de ton armure.
J'invoque maintenant le feu pour consumer les œuvres de l'ennemi, le marteau pour les briser et l'épée pour les décimer. J'invoque maintenant le filet de l'Éternel pour capturer tous mes oppresseurs. Qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient enchaînés de la tête aux orteils. Que mes ennemis soient enchaînés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient bloqués. Que le feu de Dieu les bloque au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les saisisse, que le feu de Dieu les démolisse, qu'ils soient détruits, que leurs œuvres, oh, dans ma vie actuelle, que le feu de Dieu détruise. J'invoque le feu pour consumer, le marteau pour briser, l'épée pour décimer. J'invoque l'épée, j'invoque le feu, j'invoque le marteau pour détruire. J'invoque la hache de l'Éternel pour fracasser la mâchoire de tout sorcier qui parle mal de moi. Tout sorcier qui me maudit, toute langue qui me maudit, soit arrachée par la hache de Dieu. Soit arrachée, toute langue qui parle méchamment de moi, soit fracassée. Que la mâchoire de l'homme fort soit fracassée. J'invoque la hache de l'Éternel pour frapper et fracasser, pour frapper et briser la colonne vertébrale. Oui Seigneur. Que l'épine dorsale de la sorcellerie soit brisée. L'épine de la sorcellerie soit brisée. J'invoque le marteau, j'invoque la hache pour fracasser, pour foudroyer, pour briser, pour pulvériser, pour broyer, pour anéantir. Au nom de Jésus, j'invoque le feu, le tonnerre, la foudre pour broyer, pour briser, pour fracasser, pour arracher la mâchoire à tout sorcier, pour arracher la mâchoire. À toute sorcière, pour arracher la mâchoire, à toute ennemi, j'invoque le feu, j'invoque l'épée pour détruire tout pouvoir qui combat mon foyer, qui combat ma vie conjugale. Que l'épée frappe, que l'épée frappe, que le tonnerre frappe, que le marteau frappe, que l'épée frappe, que le tonnerre frappe, au nom de Jésus. Tous ceux qui planifient ma mort, qui complotent ma mort, que le marteau frappe, que l'épée frappe, que le tonnerre frappe, où qu'ils soient, que la terre les combatte. Je demande à la terre de les combattre, je demande au feu de les combattre. Je demande au vent de les combattre. Je demande à l'eau de les combattre. Que le feu combatte tous les voleurs des chaussures, les voleurs des chaussures, les voleurs des destinées, les voleurs des chaussures, les voleurs des destinées, les voleurs des chaussures, les voleurs des destinées, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs de potentiel, les voleuses, les voleurs, les voleuses. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu pour consumer les voleurs d'habits, les voleurs des sacs. Les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs. Que le feu de Dieu consume les voleurs. Que le feu de Dieu consume maintenant les voleurs au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume les voleurs et les voleuses. Les voleurs et les voleuses. Les détourneurs et les détourneuses. Que le feu consume les voleurs, les détourneurs, les détourneuses. Tout pouvoir qui a mes habits, qui a mes chaussures, qui a ma vie soit consumé. J'invoque le marteau de Dieu pour foudroyer les voleurs de maisons, les voleurs de voitures, les voleurs de bénédictions, les voleurs de clés, les voleurs d'étoiles. Que le feu consume les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs, les voleurs d'étoiles. Que le marteau de l'Éternel les brise, 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 que le marteau de Dieu les brise. Que le marteau de Dieu les foudroie, que le marteau de Dieu les broie, que le marteau de Dieu les brise au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les décime, les consume, les calcine, les ravage, les démolisse. Que le feu de Dieu les décime, les calcine, les ravage, les démolisse au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume, 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 consume. Que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les consume. De la tête jusqu'aux orteils, de la tête jusqu'aux orteils, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le feu ravage, que le feu démolisse, que le feu tombe, que le feu ravage, que le feu démolisse, que le feu tombe et consume les vêtements sataniques, les vêtements sataniques. Que le feu tombe sur les voleurs d'identité, tous ceux-là qui sont assis sur ma vie depuis la maison familiale. Tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir et force de mon quartier, de mon village, de ma région, de ma tribu. Oh oui Seigneur, que les forces, les ennemis de mon père, les forces et ennemis de la maison de mon père soient consumés. Que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume les ennemis de mes réalisations. Les ennemis de mes réalisations, les ennemis de mes réalisations, que le feu tombe et consume les ennemis de mes réalisations. Au nom puissant de Jésus,
Que le feu tombe et consume les ennemis de mes réalisations. Que le feu tombe et consume les ennemis de mes réalisations. Que le feu tombe et consume les ennemis de mes réalisations. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et consume les ennemis de mes réalisations. Que le feu tombe et consume. Tombe, 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 tombe. Que le feu tombe, que le feu tombe et consume les ennemis de mes réalisations. Les ennemis de mes réalisations. Les ennemis de mes réalisations. Les ennemis de mon élévation. Que le feu tombe et consume. Que le marteau de Dieu brise les blocages, les barrières, les fers, les chaînes, les prisons. Que le marteau de Dieu, j'invoque le marteau pour fracasser, pour briser les canaries, les marteaux, les chaînes qui ont été utilisées, les barrières qui ont été utilisées. Que le feu tombe et consume au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Les déclarations, les œuvres de la sorcellerie. Les déclarations et les œuvres de la sorcellerie. Que le feu tombe et consume. 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 J'invoque le marteau de Dieu pour briser les murs, pour briser les chaînes, pour briser les cordes, pour briser les biens, pour briser les choses de la sorcellerie, les œuvres, les réalisations de la sorcellerie. J'invoque le marteau de Dieu pour les briser, pour les fracasser, pour les broyer. Je détruis leurs réalisations. Tout ce qu'ils ont réalisé ces dernières années, tout ce qu'ils ont réalisé ces 50 dernières années, j'invoque le feu pour briser. Le feu pour briser. Les projets de Satan soient brisés. Les projets de Satan soient brisés. Les projets sataniques soient brisés. Les projets sataniques soient bloqués pour toujours. Je bloque leurs projets. Je bloque leurs œuvres. Je bloque leurs plans. Je bloque leurs œuvres. Je bloque leurs œuvres de la destruction mondiale. Je bloque. Je détruis. Je consume. Je bloque. Je détruis et je consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu détruise les œuvres du fétichisme. Que le feu de Dieu détruise les pièges. Je détruis les pièges. Je détruis les complots. Je détruis les œuvres. Je détruis les pièges. Je détruis les complots. Je détruis les pièges. Je détruis les preuves. Je détruis les œuvres. Je détruis les manipulations. Que le feu de Dieu détruise. J'invoque le marteau pour détruire tout ce qu'ils ont utilisé pour me fermer le ciel. Que le feu consume tout ce qu'ils ont utilisé pour me fermer le ciel, pour me fermer la vie, pour me fermer le ciel, pour me fermer le destin. Oh oui, que le feu tombe et consume les gardiens de la destinée. Que le feu tombe et consume, que le feu 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 consume les voleurs des destinées, les voleurs, les avaleurs, les tueurs, les voleurs, les avaleurs, les tueurs, les voleurs, les avaleurs, les tueurs, les détourneurs, tous ceux-là qui ont détourné mes richesses, qui m'ont volé des poissons, des fruits, des bénédictions, doivent ramener. S'ils ne ramènent pas mes bénédictions, que le feu les consume. Au nom de Jésus, que le feu les consume, 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 que le feu tombe et les consume, que le feu de Dieu tombe sur les oppresseurs et les consume au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu tombe, que le feu de Dieu tombe, que le feu de Dieu tombe et consume l'homme fort, et consume les ennemis, et consume les adversaires. Le feu tombe sur les œuvres, sur les sacrifices, sur les rituels, sur les autels et les détruise. Que le feu de Dieu tombe. Que le feu de Dieu tombe sur mes oppresseurs, tombe sur mes adversaires. Que le feu de Dieu tombe, que leurs œuvres soient consumées, leurs voiles soient consumées. Le voile là qu'ils ont mis sur ma vie. Le voile là qu'ils ont mis sur ma maison. Le voile là qu'ils ont mis sur mes enfants. Le voile, que le voile soit consumé. Que le feu de Dieu tombe et consume leurs réclamations, leurs accusations, leurs manipulations, leurs oppressions. Que le feu de Dieu tombe et consume. J'invoque le marteau de Dieu pour briser tout ce qu'ils ont fait, pour briser tout ce qu'ils ont dit. Le marteau de Dieu brise les chaînes, les cordes, les liens, les mains sataniques sur mes affaires. Au nom de Jésus, que le feu tombe sur les voleuses qui ont volé mes habits, qui ont volé mes affaires, qui ont volé mes chaussures. Les voleurs des chaussures, les voleuses des chaussures, les voleurs des chaussures, les voleuses des chaussures, les voleurs des chaussures, les voleuses des chaussures. Que le feu tombe et consume tous les voleurs des voitures, les voleurs des voitures en rêve, les voleurs, les détourneurs de sacs, de bénédictions financières. Que le feu de Dieu tombe et consume au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu, tous ces pouvoirs qui vont contre-attaquer, qui vont nous attaquer, que le feu les consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe et consume nos adversaires, que le feu de Dieu tombe et consume nos oppresseurs.
Que le feu de Dieu tombe et consume les voleurs d'identité, les voleuses, les voleurs de place, d'identité, de bénédiction. Que le feu de Dieu tombe et consume tous les démons envoyés pour combattre la vie de prière. Que le feu de Dieu tombe maintenant. Que le feu de Dieu tombe maintenant sur tous les voleurs, sur toutes les voleuses, sur tous les voleurs, sur toutes les voleuses. Que le feu de Dieu consume maintenant au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe et consume tous les agents sataniques derrière le visage, tous ceux-là qui se cachent derrière un masque. Que le feu de Dieu consume tout agent des ténèbres qui se cache derrière un masque, qui se cache derrière les œuvres de la sorcellerie. Que le feu consume. Oh oui Seigneur, toute sorcière assise sur ma vie, tout sorcier assise sur ma bénédiction, tout agent des ténèbres qui bloque ma vie, que le feu de Dieu tombe et consume ses œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage, les œuvres du charlatanisme. Que le feu de Dieu tombe et consume le maraboutage, et consume le charlatanisme, et consume tout ce qui a été fait sur mes photos. Que le feu de Dieu consume toutes les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, tout ce qui a été déposé dans ma vie. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. J'invoque le marteau de Dieu pour briser. J'invoque le marteau de Dieu pour démolir. J'invoque le marteau de Dieu pour saboter. J'invoque le marteau de Dieu pour ravager. J'invoque le marteau de Dieu pour saboter. Que le feu de Dieu tombe au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh oui Seigneur, que leur réalisation soit démolie. Que leurs projets soient démolis. Que leurs œuvres soient démolies. Que leurs affaires soient démolies. Que le feu de Dieu tombe et consume. Que le feu de Dieu détruise les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage. Que le feu tombe et consume tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Le feu de Dieu tombe et consume maintenant tout ce que la sorcellerie a réalisé dans ma vie. Tout ce que mes ennemis ont réalisé dans ma vie. Tout ce que mes oppresseurs ont réalisé dans ma vie. Oh oui Seigneur, que ma vie soit libérée. Que mes projets soient libérés, que ma vie soit libérée, que mes projets soient libérés, que ma vie soit libérée, que mes réalisations soient libérées, tous mes projets qu'ils ont bloqués soient libérés, toute chose dans ma vie qui a été interrompue par la sorcellerie soit libérée. Le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Le feu de Dieu consume. 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 Les vêtements, les sacrifices, les rituels, les limitations, les alliances. Que le feu de Dieu consume tout au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume toutes choses qu'ils ont prises dans ma vie, qu'ils ont faites dans ma vie, qu'ils ont dites dans ma vie. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume la limitation, la barrière, les œuvres, les choses, les chômages, les maladies, les pactes, le voile. Oh oui, Seigneur, j'invoque le marteau de Dieu pour briser tous ceux qui sont utilisés pour barrer mon chemin. Que le marteau de Dieu brise. Que le caterpillar déracine. Caterpillar de l'éternel. Démarre et déracine. Les gardiens des destinées déracinent tous ceux-là qui ont pour mission de veiller à ce que je n'accomplisse pas mes destinées. Caterpillar de l'éternel. Démarre et déracine. Tous ces agents sataniques qui ont pour mission de faire en sorte que je n'accomplisse rien. Au nom de Jésus, caterpillar de l'éternel, déracine-les au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, déracine tout ce qui m'empêche d'avancer. Caterpillar de l'éternel, déracine tout ce qu'ils ont installé sur mon chemin. Les barrières, les projets, les faux projets, les barrières, les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que les barrières soient ôtées. Que les barrières soient ôtées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Caterpillar de l'éternel. Déracine au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Caterpillar de l'éternel. Déracine. Les œuvres de la sorcellerie. Déracine-les au nom puissant de Jésus. Déracine leurs œuvres au nom de Jésus. Déracine leurs œuvres. Déracine leurs projets. Déracine leurs activités. Caterpillar de l'éternel. Déracine au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que leurs projets soient annulés. Au nom puissant de Jésus. Que leurs projets soient annulés. Que leurs déclarations soient annulées.
Que leurs œuvres soient annulées. Que leurs projets soient annulés. Que leurs œuvres soient annulées. Que leurs manipulations soient annulées. Que leurs manigances soient annulées. Que leurs œuvres soient annulées. Car tes pilars de l'éternel, tes racines, tout ce qu'ils ont projeté de faire contre moi, tout ce qu'ils ont décidé de faire contre moi. Car tes pilars de l'éternel, tes racines et renverse au nom puissant de Jésus. Déracine tout ce qui ne vient pas de toi. Car tes pilars de l'éternel, déracine, renverse les autels, renverse les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage, les œuvres de la sorcellerie. Car tes pilars de l'éternel, déracine, renverse et consume au nom de Jésus. Car tes pilars de l'éternel, déracine tout ce qu'ils ont fait de mal dans ma vie. Déracine tout ce qu'ils ont dit de mal dans ma vie. Déracine tout ce qu'ils ont fait de mal dans ma vie. Car tes pilars de l'éternel, déracine les œuvres de mes ennemis. Déracine les œuvres de mes oppresseurs. Car tes pilars de l'éternel, déracine toutes les semences diaboliques, les programmes diaboliques, les œuvres diaboliques. Déracine tout ce qui bat mon chemin. Que le mur de l'enfant soit renversé. Que le mur soit renversé. Que les barrières soient renversées. Que les murs soient renversés. Car tes pilars de l'éternel, déracine le mur. Déracine tout mur géant. Même ceux-là qui bat mon chemin, qui soient écrabouillés. Qu'ils soient écrasés. Même ces sorciers-là qui battent mon chemin, qu'ils soient écrasés au nom de Jésus. Qu'ils soient écrasés. Même ces agents sataniques qui ont volé mon identité, qui ont volé mes chances, qui ont volé mes biens, qu'ils soient écrabouillés au nom de Jésus. Nous détruisons tous leurs projets cachés. Nous annulons leurs projets cachés, leurs œuvres cachés, leurs projets cachés, leurs activités cachées, leurs décisions cachées. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et ravage. Que le feu tombe et détruise. Que le feu de Dieu tombe et ravage. Tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit. Que le feu tombe et ravage. Que le feu tombe et consume. Tout ce que mes ennemis ont dit dans ma vie. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Que les voleurs soient dépouillés. Que les voleuses soient ravagées. Que les sorciers qui m'ont volé soient paralysés. Que le feu tombe et consume. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a mes vêtements doit libérer. Tout sorcier qui a mes chaussures doit libérer. Tout ceux-là qui ont mes vêtements, mes chaussures, mes sacs, mes biens, ma maison, ma voiture, tout ce que Dieu m'a destiné, qu'il libère. Que le feu tombe et consume. Les voleurs des destinées. Les voleurs de vêtements, les voleurs de destinées, soyez consumés. Les détourneurs, soyez consumés. Que le feu tombe et consume. Les détourneurs, les voleurs, les avaleurs. J'envoie le feu dans le ventre des avaleurs, dans le corps des voleurs. Peu importe où l'ennemi cache, que le feu consume. Que le feu maintenant, que le feu consume sa cachette. Oh oui Seigneur. Que le feu tombe et consume mes ennemis. Que le feu tombe et consume mes adversaires. Que le feu tombe. J'invoque le feu, j'invoque la flamme. Que le marteau de Dieu brise au nom de Jésus. Que le marteau de Dieu frappe et brise au nom de Jésus. Que le marteau de Dieu les frappe. Que le marteau de Dieu les brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas ordonner que des chaînes de feu les saisissent et les étouffent à jamais. Et en même temps, que le feu de Dieu les décime. Tu vas détruire tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie actuellement. Non seulement tu vas demander à Dieu de libérer tous tes biens que tu as perdus dans le passé, mais aussi de protéger tout ce que tu es supposé recevoir maintenant. Tu vas demander à Dieu que le feu tombe. Tout ce qu'ils ont utilisé pour bloquer ton destin soit fracassé. Si tu es fatigué, lève-toi. Tu m'as l'air épuisé.
tout ce que l'ennemi a fait doit être brisé. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui n'avancent pas à cause de ce que l'ennemi fait dans leur vie. Mais il y a aussi ceux-là qui n'avancent pas. Il y a un pasteur, j'ai écouté son témoignage. Excuse-moi. Ça est sur YouTube. C'est ma femme qui m'a envoyé ça. La fille, son pasteur lui a dit de ne pas rentrer dans le mariage, mais elle y est entrée pour de l'argent. Pour de l'argent. Et quand son pasteur a eu la vision, il lui a dit que j'ai vu que tu portes les chaussures de quelqu'un d'autre. Tu portes les chaussures de quelqu'un d'autre. Il y a ceux-là qui portent les chaussures de quelqu'un d'autre. Il y a ceux-là qui portent les habits de quelqu'un d'autre. Habits de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es en train de jouer le rôle que quelqu'un a joué. Quelqu'un qui a porté tes habits en rêve, ça veut dire qu'il joue le rôle que tu dois jouer. Il vit la vie que tu dois vivre. Et quand tu fais encore des rêves où c'est quelqu'un d'autre qui te conduit, c'est même pas un guide pour t'aider. Hein. Ce n'est même pas un guide pour t'aider. Mais c'est plutôt quelqu'un qui a pris ta place. Il y a ceux-là, leurs travaux ont été volés, leurs vies ont été volées. Le problème des chrétiens, je le dis et je le dirai toujours, c'est l'ignorance dans le combat spirituel. Sinon Dieu leur dit toujours, tout. À quelques jours de mon mariage, j'ai fait un rêve et je vois quelqu'un que je connais très bien, qui est de mon village, qui portait une robe de mariage. Je t'avoue que la personne a près de 70 ans. Je me suis réveillé. Et Dieu m'a dit, tu vois, ils veulent voler ton mariage. Heureusement, je l'ai compris. Quand on conduisait ma voiture en rêve, je l'ai compris. Il y avait quelqu'un qui m'est très proche. J'étais très jeune, la personne me volait. Mais un jour, j'ai fait un songe où la personne conduisait un véhicule où il y avait mes fruits dedans. La voiture m'appartenait et c'était la soeur qui conduisait. Tout ce qu'il faisait là, il croyait que je ne voyais pas. Les sorciers croyaient que je ne voyais pas, mais je voyais. Il y a ceux-là, quelqu'un d'autre porte leurs chaussures. Il y a aussi ceux qui portent chaussures de quelqu'un d'autre. Je vous ai déjà expliqué non, que j'avais pris femme de quelqu'un. Je vivais avec une jeune fille, a priori, elle n'avait personne dans sa vie. Normalement, elle n'avait personne. Normalement, elle n'avait personne. Mais dans le plan de Dieu, s'est inscrit le nom d'un mari dans sa vie. Dieu est venu me dire, tu la laisses, elle n'est pas ta femme. Et supposons que je me dise, non Seigneur, moi je l'aime, que je vais forcer la relation. Ça devient quoi en ce moment? Échec total de la destinée. Non seulement tu bloques la destinée de quelqu'un et tu changes toute une génération à venir. Parce que l'homme avec qui tu dois être là, il y a une certaine génération qui doit naître de cet homme, de cette femme. Et quand le sang qui devrait être mélangé pour concevoir cette génération, on conçoit une autre destinée et une autre génération. Tout comme dans le cas d'Abraham et de Sarah. Je ne sais pas qui porte tes chaussures, qui porte tes habits, qui vit spirituellement dans ta maison, qui conduit spirituellement ta vie, qui profite de ton destin. Tu vas dire à Dieu, les profiteurs des destinées, qu'ils dégagent aujourd'hui. Parce que bien aimé, tu es là seul en train de crever dans tes galères, alors que quelqu'un d'autre est déjà à ta place. Qu'est-ce que tu penses que la vie est? Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Éternel, mon Dieu. S'il y a quelqu'un qui profite de mes destinées, s'il y a quelqu'un qui profite de mon bonheur, s'il y a quelqu'un qui profite de mes richesses dans le monde des ténèbres,
Que le feu tombe et le consume au nom de Jésus. Les voleurs spirituels, les voleuses spirituels, que le monde des ténèbres a établi dans ma vie, Seigneur, renverse-les, détruis leurs œuvres, consume leurs œuvres, consume au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont volé mes chaussures, mes fruits, mes vêtements, ma maison, mes biens, mes richesses, mes projets, pour m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, que le feu de Dieu consume leur vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume les voleurs, les détourneurs, les voleurs, les avaleurs, les arracheurs, les détourneurs. Que le feu de Dieu consume tous ces sorciers, tous ces agents sataniques qui m'ont volé, qui m'ont pillé, qui m'ont dépouillé, qui m'ont arraché ma vie, mes réalisations, mes projets, mes destinées, mes chances. Que le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume, que le feu consume, que le feu ravage, que le feu détruise, que le feu consume au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu consume. Le feu, le feu, le feu, le feu, par le feu de Dieu, nous consumons les œuvres des voleurs des destinées, des voleurs des places, les voleurs des chances, les voleurs des clés, tous ceux-là qui ont mes clés, qui ont mes chaussures, qui ont mes vêtements, toute personne qui m'a volé mes chaussures, mes vêtements, mes biens, ma vie, mes destinées, soit consumée, soit ravagée, que le feu de Dieu consume les voleurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce qu'ils ont dit dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce qu'ils ont dit dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Tout ce qu'ils ont provoqué dans ma vie. Le feu consume les voleurs des vêtements, les voleurs des destinées. Toute femme sorcière qui m'a volé mes biens, qui m'a volé pour donner à quelqu'un de sa famille, qu'il soit consumé. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume les voleurs, les voleuses, les voleurs, les voleuses, les détourneurs, les voleurs, les voleuses. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume tout ce que l'ennemi a fait. Que le feu consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu consume les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage. Que le feu consume, 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 consume. Que le feu de Dieu consume tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Que le feu de Dieu consume et anéantisse les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du fétichisme, les œuvres du maraboutage, les œuvres du charlatanisme. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu détruise, que le feu anéantisse, que le feu paralyse, que le feu consume, que le feu détruise toute femme, tout homme, tout ami d'enfance, tout voleur, ayant mes bénédictions, ayant ma voiture, ayant mes chances, ayant mon étoile, libère ce que tu m'as volé, libère, 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 libère. J'envoie le feu dans les tombeaux, le feu dans les cachettes, le feu dans les rivières, le feu dans les ténèbres, le feu dans le royaume des ténèbres. Que le feu consume tout voleur de destinée, des sacs, des passeports, de papiers, de passeports, de pièces d'identité. Que le feu de Dieu consume tout pouvoir qui est assis sur les papiers de ma fille, qui est assis, qui est assis, qui est assis, qui est assis. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur tout individu qui m'a volé, qui m'a pillé, qui m'a détourné, qui m'a arraché. J'envoie le feu pour consumer tous les voleurs et les voleuses, toutes les voleuses, tous ceux-là qui sont assis sur ma vie. J'envoie maintenant le feu au nom puissant de Jésus. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume mes oppresseurs au nom de Jésus. Que le feu les ravage, que le feu les ennuie, que le feu les consume. Le feu sous terre, sur terre, comme au ciel, peu importe l'animal, peu importe les avaleurs, les avaleuses, les détourneurs, les détourneuses, les voleurs, les chasseurs qui ont été envoyés contre moi. Que le feu les consume au nom de Jésus.
Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les œuvres du fétichisme. Je détruis, oh oui Seigneur, que le feu consume, que le feu consume. L'homme fort à qui la sorcellerie a confié mes affaires. L'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort du monde des ténèbres. Je brise tout ce qu'ils ont fait. Je détruis, j'annule, je consume, je brise. J'envoie le feu sous terre, sur terre, comme dans les lieux cachés, comme dans les lieux cachés, chez des marabouts, chez des féticheurs qui travaillent contre moi. Que le feu de Dieu bloque les plans de Satan dans ma vie. Que le feu de Dieu bloque les armes sataniques. Au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu détruit, le feu de Dieu détruit les connexions divines, sataniques, les connexions maléfiques ayant été organisées par le monde des ténèbres. Je brise les connexions du diable. Je brise tout ce qu'ils ont fait pour me connecter à des gens qui deviendraient mes pires cauchemars. Tout ce qu'ils ont fait pour me connecter à des ennemis déguisés en amis. Tout ce qu'ils ont fait pour me connecter à des méchantes femmes, à des méchants hommes, soit brisé, soit cassé, soit détruit, soit annulé. Tout ce qu'ils ont fait pour mettre des ennemis sur ma vie, je détruis. Tout ce qu'ils ont fait pour voler ma vie, pour voler la vie de destinée, pour voler nos vies, pour voler mon mariage, pour voler mes chances, pour voler mon étoile, soit brisé. Tout ce qu'ils ont fait pour profiter de moi, soit brisé. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, que le feu tombe et consume, que le feu tombe et consume toute main occulte qui me vole, qui me retient, qui me vole, qui me retient, que le feu consume les serpents, les dragons, que le feu consume les animaux sataniques, que le feu consume tout complot monté contre ma femme et moi, tout complot monté contre mes enfants, tout complot monté contre ma maison, tout complot, que le feu consume. Tous les complots, tous les projets de la sorcellerie, tous les pots qu'un complot, que le feu consume, tout sorcier qui sort de son corps pour venir me combattre, pour aller me combattre, pour opérer contre moi, que le feu consume, tout cela qui travaille, qui appelle mon âme, qui retient mon âme, que le feu consume. J'invoque le marteau pour détruire leurs prisons, leurs chaînes, leurs cordes, leurs liens, leurs chaînes, leurs cordes, leurs liens, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu vas ordonner le déblocage de tes vraies destinées. Tu vas dire à Dieu que le feu tombe et consume. Tout pouvoir qui a ton portefeuille. Que le coffre fort de l'ennemi soit brisé aujourd'hui. Tu as dit, j'invoque le feu pour démolir le coffre fort de l'ennemi. J'invoque le feu pour démolir les chaînes. Oh oui Seigneur, j'ai démoli les coffres forts. J'ai démoli les marmites de la sorcellerie. Les marmites qu'ils ont utilisées pour me bloquer. Les marmites, les pièges, les casseroles qu'ils ont utilisées contre mes destinées. Je les démolis au nom de Jésus. Que le feu de Dieu démolisse les coffres forts, les marmites de la sorcellerie, les marmites du monde des ténèbres, les armoires de la sorcellerie soient cassées et démolies, soient cassées et démolies. Les armoires, les choses, les fétiches, les réserves de la sorcellerie, les chaînes, les cordes, les liens, les armoires de la sorcellerie, je les brise au nom de Jésus. Nous détruisons les œuvres, nous détruisons les œufs que la sorcellerie a pondus dans ma vie, les mauvais œufs, les œufs qu'ils ont pondus dans ma vie, les gens qu'ils ont envoyés dans ma vie. Soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés. Tout individu ayant été introduit à l'océan de grâce pour nous briser, soit chassé. Tout individu ayant été introduit dans notre vie, tout espion, soit chassé par le tonnerre, soit chassé par le feu, soit chassé, je détruis les calvaires, les confusions, les disputes, les problèmes, les choses que le monde des ténèbres a envoyées dans ma vie. Je les détruis, tout ce qu'ils ont connecté à ma vie, tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie, soit brisé au nom de Jésus. Je démolis, peu importe ce qu'ils ont introduit dans ma vie pour me détruire. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans la vie de mes frères. L'alcoolisme, la boisson, le vagabondage. L'alcoolisme, la boisson, le vagabondage. L'alcoolisme, le vagabondage, l'alcoolisme. Je détruis, 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 je détruis. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait,
tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis maintenant tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Dans ma vie, je détruis les semences, les planifications, les connexions du monde des ténèbres. Tout ce que la sorcellerie a planté dans ma vie, a envoyé dans ma vie, tout ce qu'ils ont bloqué dans ma vie, soit débloqué, je débloque ma vie, je débloque mes chances, je débloque mon travail, je débloque mon argent, je débloque mes finances, je débloque mes projets, je débloque ma destinée. Oh oui Seigneur, que mes destinées soient débloquées, que mes destinées, que ma joie, mon bonheur, ma joie, ma paix, soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée, ma joie, ma paix, mon bonheur, l'harmonie dans mon foyer, partout, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué. Je brise les limitations imposées à ma femme et à moi. La limitation imposée à mes enfants. La limitation imposée à mes frères. La limitation, je brise au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a mes vêtements doit libérer. Tous les voleurs de chaussures, les voleurs de vêtements, les voleurs de destinées, les voleurs d'étoiles, les voleurs de clés, soyez broyés, écrasés, foudroyés, pulvérisés, foudroyés, fracassés. Oh oui Seigneur, que les voleurs soient pulvérisés, que les voleurs soient ravagés, que les voleurs soient consumés, que les voleurs soient démolis, que les voleurs soient chassés au nom de Jésus. Soyez pulvérisés, j'exige la restitution. Depuis ceux qui sont morts jusqu'à maintenant, ceux qui sont morts jusqu'à maintenant, qui m'ont volé, soyez dépouillés, soyez dépouillés, soyez écrabouillés, soyez broyés. Tous les voleurs, les voleuses, que le feu maintenant consume toute sorcière qui utilise ses parties intimes pour me combattre. Tout pouvoir qui utilise la magie sexuelle pour nous combattre, soit découpé par l'épée de Dieu. Soit découpé. Tout sorcier qui utilise la magie sexuelle pour nous faire la guerre. Tout pouvoir des ténèbres qui utilise les attaques sexuelles, qui utilise les images sexuelles, soit broyé, soit brisé, soit broyé, soit brisé. Oh oui Seigneur, je brise au nom de Jésus. Tout pouvoir utilisant la magie sexuelle, tout pouvoir utilisant les relations sexuelles, tout sorcier utilisant les attaques sexuelles, soit broyé, brisé, écrasé, écrabouillé, au nom de Jésus. Tout sorcier utilisant la magie sexuelle, utilisant la magie sexuelle, utilisant les pactes, je détruis les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des barrières, toute femme assise sur ma vie, assise sur ma maison, soit dégagée par le tonnerre, que le feu tombe sur les gardiens des destinées, les gardiens de la porte des destinées. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que leur barrière soit renversée, que leur projet soit renversé, que leur complot soit renversé, que leur plan soit renversé. Au nom de Jésus, je détruis tous les échanges que la sorcellerie a opérés dans ma vie. Les échanges qu'ils ont effectués dans le plan de Dieu pour moi. Je détruis les échanges sataniques. Oh oui Seigneur, les échanges qu'ils ont opérés par rapport au plan de Dieu pour moi, je détruis maintenant et j'annule les échanges de la sorcellerie. J'annule les échanges du monde des ténèbres. J'annule les échanges. J'annule les œuvres de la sorcellerie. J'annule les échanges qu'ils ont opérés pour inverser ma destinée. Les échanges diaboliques, je les annule au nom de Jésus. J'annule les échanges diaboliques. J'annule au nom puissant de Jésus. Toute opération, tous les échanges. Oh oui Seigneur, j'annule les échanges de la sorcellerie. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Toutes sortes d'échanges. Oh oui Seigneur. J'annule les échanges qui ont eu lieu dans la sorcellerie. Les échanges opérés par la sorcellerie. Pour inverser mes bénédictions, mes chances, mes biens, mes amis, mes biens. Je détruis maintenant tous les échanges que la sorcellerie a effectués dans ma vie. Et je les annule. Les échanges de destinée, les échanges d'endroits, les échanges de temps de bénédiction. Je brise et j'annule les échanges de temps de bénédiction. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule les échanges de temps de bénédiction. Les échanges de temps de bénédiction. Les échanges de dates. Tout ce qu'ils ont fait pour échanger mes dates, je les annule au nom de Jésus. Je détruis tout ce qu'ils ont fait pour échanger mes dates. Je détruis tout ce qu'ils ont fait pour échanger mon heure de bénédiction. Les échanges des heures de percée, je détruis maintenant. Si ma percée a été reportée, si mon bonheur a été reporté à une date ultérieure, je détruis les échanges qui ont été effectués. Les échanges diaboliques, les annulations diaboliques, je les brise. Oh oui Seigneur, j'annule les échanges de temps,
les échanges de destinées, les échanges de bénédictions. J'annule les échanges venant de mon village, de ma famille, de ma fondation, des gens de mon village, des notables. Je détruis le pouvoir des notables. Je détruis les 9 pouvoirs des notables, les 9 pouvoirs des notables, les 9 pouvoirs des notables sataniques. Je renverse les malédictions, les choses, les problèmes. Je détruis tout au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir des alliances, des lois de mon village, toute loi de mon village qui combat ma vie, toute loi de ma famille, toute loi de village, toute alliance, toute loi. Je brise la loi satanique, la loi dans ma famille, toute loi de mariage dans ma famille, toute loi satanique anti-mariage, toute loi satanique établie pour le mariage. Je brise ces lois, toute loi maintenant dans ma belle famille, toute loi satanique, je brise, j'annule par le sang de Jésus. Je brise toute loi dans ma belle famille, toute loi dans ma famille, toute loi dans mon entourage, toute loi dans mon entourage, toute loi d'interdiction, toute loi qui porte sur l'interdiction d'avoir le bonheur conjugal, de s'entendre, de durer dans un mariage. Je brise la loi, je brise toute loi satanique, les décrets, les lois, les décrets, les interdictions, les alliances, je les brise au nom de Jésus. Que le feu tombe consume les lois. Que le feu tombe consume, que le feu tombe consume, que le feu tombe consume. Même si j'ai donné l'autorisation moi-même en rêve, sans le savoir, j'annule les lois, les actions, les accords, les choses que j'ai faites en faveur du diable. J'annule les accidents, les lois, les malheurs, les choses que j'ai dites et dont ils se sont servis. Je brise et j'annule. J'annule toute loi que je me suis établie moi-même, toute loi que j'ai établi contre moi-même, je brise au nom de Jésus. Toute loi que j'ai établie contre moi-même en m'interdisant de faire certaines choses, en décidant que je n'allais plus faire certaines choses, en décidant que je n'allais plus me donner à certaines choses, je n'allais plus m'adonner à certaines choses. Toute loi qu'ils m'ont poussé à m'établir, toute loi portant sur l'interdiction du succès au nom de Jésus, toute loi qui m'interdit de vivre longtemps, soit brisée. Toute loi, tout décret satanique soit brisé, toute loi. J'annule les échanges. Oh oui, Seigneur, j'annule toutes sortes d'échanges qui ont eu lieu dans ma vie. Toutes sortes d'échanges, d'accusations, de manipulations. Toutes sortes d'échanges, de manipulations. Je détruis toute manipulation du plan de Dieu pour moi. J'annule les rituels de sorcellerie. Je les brise, que le feu tombe et consume. Toute initiation de la sorcellerie dans ma famille. Initiation de la sorcellerie. Initiation à la sorcellerie. Initiation à la sorcellerie. Initiation aux œuvres de la magie. Dans ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, de ma famille, de mes amis, de mes connaissances. Je détruis toute initiation, tout rituel d'initiation. Par la nourriture, par l'évocation, par les alliances, par l'appellation des ancêtres, des lois ancestraux. Je détruis toute initiation à travers des libations, des concours, des encodages. Je détruis toutes les initiations sataniques, les manipulations, les initiations à la sorcellerie, à la magie, aux œuvres de la sorcellerie. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la sorcellerie, les œuvres au nom de Jésus. Je détruis le voile, je détruis les choses, je détruis les semences, je détruis, oh oui Seigneur, l'initiation de mes enfants. Je détruis tout ce que le diable a fait pour initier mes enfants aux œuvres du monde, aux œuvres du monde, aux œuvres du monde. Je détruis le décret, je détruis les choses, je détruis les décrets, je détruis les cérémonies, je détruis les œuvres de la sorcellerie, du fétichisme. Je démolis les paroles, les alliances, les déclarations. Je les détruis. Toute parole ayant été dite contre moi par la rivale de ma mère, soit brisée par les rivaux de mon père, soit brisée au nom de Jésus. Je détruis tout ce qu'ils ont signé contre moi et projeté contre moi. Tout ce que l'ennemi a projeté contre mon futur soit détruit. Au nom de Jésus, j'annule tout ce que l'ennemi a programmé pour s'accomplir dans les temps à venir. Tout ce qu'ils ont réalisé, ils ont projeté dans mon futur. Je brise et j'annule les semences de l'ennemi dans mon futur, dans les jours à venir, dans mon avenir. J'envoie le feu pour consumer les semences du diable, les semences de la sorcellerie, la semence, oh oui Seigneur,
je brise et j'annule, je consume et je supprime les maladies, les incidents. Oh oui, Seigneur. Je dégage même des gens que le monde des ténèbres veut envoyer sur mon chemin. Je les dégage, je les dégage. Seigneur, donne-moi le discernement. Oh oui, Seigneur, et que tous les envoyés du diable soient dégagés. Tous les apprentis du diable envoyés soient dégagés. Tous ceux-là qui ont été envoyés contre moi, qui ont été envoyés pour s'infiltrer, qu'ils soient chassés, qu'ils soient pulvérisés. Tous les espions dans ma maison, dans ma vie, dans mon mariage, tous les espions envoyés pour garder ma maison, les gardiens de bénédiction, les gardiens de bénédiction, les gardiens sataniques, les gardiens, tous ceux-là qui combattent nos voyages, nos conférences, nos affaires, au nom de Jésus. Tous ceux-là qui les combattent, tous ceux-là qui nous combattent, qui combattent nos idées, qui combattent nos projets, qui combattent nos mariages, qui combattent nos affaires, qui combattent, soient ravagés, qu'ils soient ravagés. Au nom de Jésus, je détruis la lenteur qui a été jetée dans ma vie. Je détruis la lenteur. Je détruis que le feu de Dieu consume l'esprit de tortue, l'esprit de tortue, le démon de tortue, le démon de tortue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu vas demander à Dieu de te revêtir de sa puissance et de t'ouvrir les yeux. Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ta puissance et de nous ouvrir les yeux. Revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ton onction au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et éloigne de moi la distraction. Éloigne-moi de la distraction. Éternel, revêt-moi de ta puissance. Enveloppe-moi de ton action. Réveille-moi maintenant. Réveille-moi de ta puissance et de ton autorité. Que je sois revêtu de ton onction. Que je sois protégé maintenant. Oh oui, Seigneur. Réveille-moi de ta puissance. Réveille-moi maintenant. Réveille-moi de ta puissance. Réveille-moi de ton onction. Seigneur, réveille-moi de ta puissance, de ton onction. Au nom de Jésus. Réveille-moi au nom de Jésus. Seigneur, réveille. Seigneur, réveille. Seigneur, réveille-moi de ta puissance, de ton onction, de ta puissance. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi de ta puissance. Seigneur, réveille-moi de ton onction. Seigneur, réveille-moi de ton autorité. Seigneur, enveloppe-moi au nom de Jésus. Que tout ce qui était caché soit révélé. Seigneur, déverse-moi ton onction, ta puissance, ton onction. Je reçois ta puissance. Je reçois la puissance. Je reçois la force. Je reçois, Seigneur, réveille-moi de ta puissance. Relève-moi de ma chute. Relève-moi maintenant. Que ma vie soit débloquée. Que mes chances soient débloquées. Au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille ma vie. Seigneur, réveille mon destin. Seigneur, réveille au nom puissant de Jésus. Seigneur, rebaptise-moi de ton onction. Seigneur, rebaptise-moi de ton onction au nom de Jésus. Seigneur, réveille-moi de ta puissance. Seigneur, réveille-moi de ta puissance. Seigneur, réveille-moi de ton onction. Seigneur, réveille ma famille. Réveille mes enfants. Réveille mes frères. Réveille, 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 réveille-moi de ta puissance. Seigneur, réveille-moi de ton onction. Seigneur, réveille-moi de ton autorité. Seigneur, réveille-moi de ton onction. Réveille-moi au nom de Jésus. Que je sois revêtu au nom de Jésus. Que je sois revêtu de ton autorité au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire à Dieu, réveille-moi de ton onction, de ton autorité. Que je sois revêtu de ton feu. Oui, Seigneur, réveille-moi de ta puissance pour faire ton œuvre. Ouvre mes yeux, que les écailles tombent. Remplis-moi, rends-moi un touchable lion. Éternel Dieu Tout-Puissant, réveille-moi de ton onction. De la tête jusqu'aux orteils. Donne-moi l'autorité sur mes ennemis. Donne-moi l'autorité sur mes oppresseurs. Donne-moi l'autorité. Qui est l'autorité dans ma parole, dans mes actions, dans mes projets, dans mes réalisations. Seigneur, réveille-moi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que l'autorité, que l'autorité, que l'autorité me soit donnée. Réveille mes mains, mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, réveille-moi de ton onction au nom de Jésus. Seigneur, réveille-moi de ta puissance. De ton onction, de ton autorité. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille ma famille. Seigneur, réveille mes frères. Seigneur, réveille mes enfants. Seigneur, réveille-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, réveille-nous de ton autorité. Seigneur, réveille-moi de ton onction. Seigneur, réveille-moi de ta puissance. Seigneur, réveille ma famille. Seigneur, réveille mes enfants. Seigneur, réveille ma maison. Réveille-nous au nom de Jésus.
Seigneur, nous avons besoin d'être revêtus de ton autorité. Nous avons besoin d'être revêtus de ton onction. J'ai besoin d'être revêtu. Père, j'ai besoin d'être revêtu. J'ai besoin d'être revêtu. J'ai besoin d'être revêtu. J'ai besoin d'être revêtu. Nous avons besoin d'être revêtus. Nous avons besoin d'être revêtus. Nous avons besoin d'être revêtus au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, réveille ma famille de ton autorité. Réveille-nous, oh oui, que ton onction soit avec moi. J'invoque ton feu sur moi. Mets ta puissance dans mes mains, dans ma bouche, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Éternel, réveille-moi au nom de Jésus. Donne-moi les yeux d'un prophète, les oreilles d'un prophète, l'onction de vision prophétique. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, donne-moi l'onction. Enveloppe-moi d'un feu intouchable, d'un feu imbattable. Réveille-moi au nom de Jésus. Seigneur, réveille ma famille, réveille mes enfants. Que ton esprit soit sur mes enfants. J'appelle ton esprit sur mes enfants. J'invoque ton esprit sur mes enfants, du premier au dernier. J'invoque ton esprit sur mes enfants, sur ma femme. Que ton esprit me remplisse. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Que je sois rempli, que je sois rempli, que je sois rempli, que je sois rempli. Oh oui Seigneur, remplis-moi d'une onction qui peut même être sentie, même à des milliers de kilomètres. Donne-moi la puissance, enveloppe-moi de ta puissance, enveloppe-moi de ton onction. Réveille-moi, remplis-moi. Oh oui Seigneur, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Esprit de Dieu, remplis-moi pour faire ton œuvre, remplis-moi pour prêcher. J'ai besoin de toi, remplis-moi de ton onction, de ton autorité. Remplis, 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 remplis. Et brise tout ce qui est encore rigide dans ma vie. Brise toute chose dans ma vie qui doit être brisée. Seigneur, brise toute chose dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, qui doit être brisée pour que ma vie avant soit brisée. Tout ce qui doit être brisé, tout ce qui doit être brisé, les mauvaises relations, les mauvaises amitiés, les mauvaises rencontres, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis ma femme. Seigneur, remplis mes enfants. Seigneur, remplis tout le monde. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis nos vies, remplis nos vies, remplis-nous au nom de Jésus. Que nos clés soient libérées, que les portes me soient ouvertes aujourd'hui. Que mes portes soient ouvertes aujourd'hui. Je donne l'ouverture des portes. Je donne la libération de ma maison, de ma voiture, de mes biens, de mes chances. Oh oui, Seigneur. Je donne la libération de ma maison, la libération de ma vie, la libération de mes destinées, la libération de tout ce qui m'a été volé. Je donne la libération. Je donne la libération de mon temple, de ma vie, de mon ministère, de mon église, de mes projets. Je donne la libération. Je donne la libération, je donne la restauration, je donne la libération, je donne la restauration, je donne le déblocage. Tout ce qui a été bloqué dans ma vie, soit débloqué, soit restitué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant demander à Dieu, après cette prière, que tout agent des ténèbres qui va vouloir venir contre-attaquer soit découpé par l'épée. Que le marteau de Dieu brise leur véhicule de transport. Même s'ils veulent nous invoquer ou nous convoquer à distance, que le marteau de Dieu brise au nom de Jésus. Prions. J'invoque l'épée de la destruction, l'épée de l'éternel pour découper tous les pouvoirs qui vont passer sous terre comme au ciel pour venir me combattre. Tous ces pouvoirs qui vont vouloir utiliser les gens autour de moi pour m'influencer, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. J'invoque le marteau de Dieu pour briser les pouvoirs, pour briser les chaînes, pour briser les sorciers, pour briser les forces qui vont vouloir m'attaquer par l'eau, par la terre, par le ciel, par le vent, par l'air, par les éléments. Tous ceux-là qui vont passer, même par mes rêves, soient broyés au nom de Jésus. Que toutes ces forces occultes qui vont avoir des activités pour contre-attaquer, pour riposter, qui vont faire des réunions contre moi, soient découpées par l'épée. J'invoque l'épée de l'éternel pour découper mes oppresseurs, pour transpercer mes oppresseurs. Que l'épée les détruise. L'épée frappe. Épée de l'éternel, frappe. Frappe l'homme fort, frappe les voleurs, frappe les détourneurs, frappe, épée de l'éternel, que toutes les puissances qui vont m'appeler à distance soient écopées, toute sorcière qui va me condamner à distance soient écopées. Oh oui Seigneur, tout pouvoir qui dirige les opérations sataniques contre moi, les contre-attaques contre moi, soit brisé et décapité, soit brisé, que le feu tombe sur toi, soit brisé et décapité, tout agent des ténèbres qui dirige les attaques, les opérations nocturnes, les opérations journalière contre ma vie, en plein jour, en pleine nuit, soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé, soit broyé, au nom de Jésus, toute sorcière, oh oui,
les pouvoirs de la maison de mon père, les puissances de la maison de mon père, les puissances de la maison de ma mère, les puissances de ma fondation, les puissances, soyez brisées, soyez broyées, soyez crabouillées, soyez brisées, soyez broyées. Si mon ennemi vient par le feu, par l'eau, par la terre, par le vent, par la forêt, même s'il se rend invisible, invisible, que l'épée de Dieu les découpe. J'invoque l'épée de Dieu pour briser les voleurs, pour briser les tueurs, pour briser mes ennemis, pour briser mes adversaires. Le feu de Dieu, l'épée brise, l'épée brise. Toutes les forces qui vont se coaliser pour venir contre moi, Que le feu brise, les voleurs, les marabouts, les charlatans, les envoûtements, que le feu brise. Que le feu brise. Le pouvoir du tyran sur le peuple de Dieu. Le pouvoir des tyrans. Que le feu brise. L'emprise de mes ennemis sur ma vie. Que le feu brise. L'emprise des tantes sorcières, des oncles dans la magie. Que le feu brise. Tout pouvoir ayant mes vêtements, mes chaussures, ma vie, mon argent, mes biens, mon étoile, mes cheveux. Doit ramener, que le feu brûle, que le feu consume, que le feu brise, que le feu détruise, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, au nom de Jésus. Toute personne ayant mes bénédictions dans son ventre doit les fournir. Les voleurs, les avaleurs, les détourneurs, les changeurs de place, qu'ils soient broyés au nom de Jésus. Que le feu tombe et consume. J'entoure ma maison avec le feu de Dieu. J'entoure ma journée, ma voiture, mes biens, mes déplacements, mes projets, oh oui, mes clés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu maintenant nous protège. Le feu de Dieu nous entoure. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, que le feu de Dieu le mette en fuite. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, lorsque l'ennemi viendra comme avec le visage de mes proches, que le feu de Dieu le mette en fuite au nom de Jésus. Que le feu tombe sur mes ennemis et les consume. Que le feu tombe sur mes détracteurs et les consume. Que le feu tombe sur mes adversaires et les consume. Que le feu tombe sur les complotistes et les consume. Que le feu consume leurs œuvres, leurs plans. J'envoie un esprit de confusion dans leur camp. J'envoie la confusion. Chez ceux-là qui font des réunions, qui font des complots, qui font des réunions. Que le feu tombe et les consume. Tout pouvoir qui va finir contre moi. Ah oui, Seigneur, par l'eau, par la terre, par le vent, en haut, en passant par les gens autour de moi, soit broyé au nom de Jésus, soit foudroyé, soit pulvérisé. J'exige la restitution à ces voleurs, à ces voleuses, à ces envoûteurs, à ces envoûteuses. Que le feu tombe et consume les voleurs. Mes bénédictions dans leur ventre soient transformées en feu, 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 en feu. Mes biens dans leur camp soient libérés, soient détachés, soient détachés, soient détachés, soient détachés, soient détachés. Si j'avais été attaché et lié, je brise les liens et je me libère. Je brise les liens. Si j'étais attaché, lié, enterré, voilé, je détruis tout ce qu'ils ont fait. Contre mes réalisations, contre mes projets, au nom de Jésus. Je détruis tout ce qu'ils ont fait. Et je débloque tous tes projets. Tous mes projets bloqués, toutes mes affaires bloquées, je les débloque. Je débloque ma vie, je débloque mon mariage, je débloque mes chances, je débloque mon travail, je débloque. Au nom de Jésus, amen. Tu vas dire merci à Dieu pour ces 3 heures de prière. Prions. Seigneur, je bénis ton nom pour ma vie. Je te loue parce que tu es le Dieu des dieux, parce que tu es le roi des rois. Je bénis ton nom parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci de m'avoir rempli. Seigneur, délivre-moi. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te revienne. Que la magnificence te revienne. Sois célébré, élevé, glorifié pour toujours. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Nous élevons ton nom, nous t'adorons. Nous remercions le Saint-Esprit pour sa puissance.
Nous remercions notre Dieu, notre Seigneur, pour tout au nom de Jésus. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur, pour ma vie. Je te loue, je t'adore, tu es magnifique et tu es célèbre. Tu exaltes, parce que tu es le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Guide-moi, Papa. Nous te bénissons d'avoir dégagé les gardiens de la porte de l'assemblée. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te revienne. Que la magnificence te revienne. J'entoure ma vie avec le feu. J'entoure la sœur avec le feu. Je barricade toutes les portes. Même si l'ennemi veut passer par les disputes, que ces disputes soient nulles et sans effet. Que les querelles soient nulles et sans effet. Que les complots soient nuls et sans effet. Toute âme forgée contre nous est déclarée nulle et sans effet. Tout mensonge, tout ce que le diable va faire pour nous énerver soit nul et sans effet. Oui Seigneur, qui est la paix dans mon cœur, qui est la joie dans mon cœur, qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, disons merci à notre Dieu. Éternel, nous bénissons ton nom de nous avoir permis de finir cette prière. Nous te demandons de nous avoir donné la capacité à prier. Nous te magnifions de nous avoir donné le pouvoir. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Merci Papa. Tu nous as aidés. Tu nous as délivrés. Tu nous as protégés. Et pendant 3 heures, nous avons prié. Tu nous as motivés. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Seigneur, protège nos vies. Par tes mains, si nous sommes guéris. Peu importe par quelle manière l'ennemi veut passer pour nous avoir, que sa mission échoue, que ses projets échouent, que ses plans échouent. Seigneur, nous barricadons nos amis, nos frères, nos sœurs. Les attaques de l'ennemi soient nulles sans effet. Au nom de Jésus, nous te louons, te magnifions. Au nom de Jésus. Amen.